Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, installez-vous confortablement, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes mardi 15 septembre il me semble, ou 14, je sais même plus. Je vais regarder ça parce que je commence quelque chose, il faut absolument que je sache, le 15. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, vous pouvez nous suivre donc sur le site www.nuria.tv ou sinon venir nous retrouver sur la chaîne YouTube Nuria TV et ainsi participer à l'émission de ce soir en posant vos questions, vos compléments d'information ou vos commentaires ou simplement échanger avec vous sur le chat. Je vois que vous êtes très nombreux à vous être installés. D'ailleurs, merci à toute la team Modo qui est présente ce soir. Un gros bisou au petit nouveau Rennes, bien sûr, je pense pendant quelques temps, je vais te faire ce coup-là. Bienvenue à toi une nouvelle fois, merci pour le coup de main que tu apportes aux médias. Et sinon, eh bien, ce soir, les amis, simplement pour vous dire que ça sera la tête dans les étoiles. Voilà, non pas les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, même si on va parler avec une personne qui reste quand même... on pourrait dire ménagère de moins de 50 ans classique, voilà, mais qui vit des choses un petit peu spéciales. Donc on va parler médiumnité, on va parler channeling, c'est un domaine dans lequel je n'ai personnellement aucune expérience, donc je vous invite ce soir à écouter, à échanger avec notre invité de ce soir. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat YouTube. Si l'émission vous perturbe, n'hésitez pas à cliquer sur la petite croix qui vous libérera tout de suite. Et sinon, n'hésitez pas, comme on vous le répète tout le temps, à... comparer les informations que vous pouvez avoir sur notre média, à vérifier les informations si c'est possible. Si des informations vous parlent, eh bien tant mieux. Si ça ne vous parle pas, peut-être que ça vous parlera d'ici quelques temps et c'est très bien. Et puis voilà, c'est pareil pour toutes les émissions sur Nuria TV et tous les invités que nous avons. C'est un partage d'expériences, un échange voilà, d'expériences personnelles qui est partagé sur Nuria TV, notamment dans tout ce qui va être domaine médiumnité, voyance ou paranormal, voilà tout ça. Donc je suis très 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 heureuse ce soir d'accueillir sur Nuria TV Aurore Rogier. Aurore, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, très très bien. Et toi? Eh bien écoute, super bien, contente d'être en live. Hein. Dès que le live se déclenche, ça y est, moi je suis au top. Donc c'est parti. Donc voilà, ce soir on va parler de plein de choses avec toi. Je sais, donc les amis, pour ceux qui ne connaissent pas Aurore, il y a le lien sous la vidéo. Elle a une chaîne YouTube avec énormément d'informations et elle a sorti récemment un livre qui s'appelle Espoir, que je vous montre ici à l'antenne. Voilà, on va en parler ce soir, mais on va parler de tellement de choses, donc on va essayer d'aller vite, mais quand même de prendre le temps, en fait, de se hâter doucement, comme on dit, parce qu'on a plein de choses à te demander. Et moi, la première, alors déjà, juste un petit coucou à vous tous, à Médé qui nous dit bonsoir à tous dans, alors hop, j'ai pas la fin, dans ton coude bien sûr, bonsoir à tous dans ton coude bien sûr, ah oui, petit clin d'œil, merci beaucoup à Médé. Jouad qui est là, qui nous dit bonsoir Nora, ça fait plaisir de te revoir, bah écoute merci beaucoup, n'hésite pas à aller visionner les replays, en fait je suis tout le temps là, avec les replays je suis tout le temps là. Alors il y a déjà des questions qui commencent à arriver, n'hésitez pas à les copier-coller pour plus tard dans la soirée. Et voilà, tout le monde est au taquet. Donc, bah, très bien. Et pas mal de personnes te connaissent déjà, Aurore. Donc, bienvenue sur Nuria TV à tout le monde. N'hésitez pas à nous poser des questions pour lesquelles, nous, on n'aurait aucune idée sur Nuria TV pour ceux qui découvrent Aurore ce soir. Et voilà, et un grand merci à Adolphia pour ton soutien à Nuria TV. Merci beaucoup. Alors, Aurore, on va commencer. Mm-hmm. On va parler donc médiumnité parce que tu es médium. Mm-hmm. Et tu fais aussi du channeling. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette particularité? Comment ça se passe? Comment ça se passe pour moi, parce que je ne pourrais pas dire pour les autres. Pour ma part, ça s'est ouvert il y a 2 ans à peu près. Et en fait, je reçois des informations qui viennent d'ailleurs. Alors pour moi, c'est un champ d'informations que je capte. Et pour t'expliquer la sensation que j'en ai, ce n'est pas une voix que j'entends. Mais c'est comme si quand tu veux essayer de te rappeler une chanson, tu vois, essaye de te rappeler une chanson dans ta tête, tu n'entends pas une voix, mais tu entends le son. Oui. Et ben voilà, c'est ça que j'entends. Plus ou moins, et parfois ça va être avec des sensations, et parfois j'ai des flashs, j'ai des images qui me viennent, et je retransmets tout ce que je capte. Après, d'où ça vient, qui me guide, ça je pourrais pas te dire, parce que moi je n'ai pas accès à toutes ces infos de l'autre côté, moi je suis sur Terre à entendre ça, et je retransmets. Mais souvent quand j'ai une guidance, c'est un mot et pas un autre, et les mots sont choisis par la guidance. Et quand c'est moi, je vais le formuler. Je vais dire, je vais vous faire une métaphore, et là, c'est où je vais dire, c'est Aurore qui parle. Et je trouve que c'est très important pour moi de dissocier la femme que je suis et ce que je capte en guidance. Mmh. Pour qu'on puisse aussi rappeler à chacun d'entre nous qu'on a notre libre arbitre et que c'est à nous de faire les choix de ce qu'on entend et de ce qu'on prend ou non des guidances, quelles qu'elles soient. D'accord, merci beaucoup. Bah alors là, super réponse, merci, au top. Aurore, je vais repasser en plein écran, je vais raccrocher et te rappeler parce qu'il y a eu un petit décalage qui vient d'arriver, hein, malgré nos tests. Tout de suite, je te rappelle tout de suite. Ça marche, tout de suite.
Voilà, je rappelle Aurore tout de suite, les amis, ne vous inquiétez pas. Le temps qu'elle arrive, et voilà, je la vois déjà arriver. Voilà le retour. Merci beaucoup, Aurore. Désolée. Peut-être qu'on Il n'y a devrait pas le de faire une ou souci. deux fois pendant la soirée, mais c'est mieux quand c'est synchronisé. Et écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Et si vous avez des questions par rapport aux justement aux interrogations que j'ai moi déjà de mon côté, n'hésitez pas à donner un complément sur le chat. Alors, bah tiens, il y a Wooday Tunaite qui te demande, bah, Aurore, pourquoi ne pas demander à cette source donc d'information d'où elle vient, tout ça, une petite précision. Parce qu'en fait, elle est multidimensionnelle et que la guidance change selon les messages que je reçois, selon les guides qui ont besoin de parler. Et en fait, quand ils veulent répondre à cette question, ils vont dire bah, en fonction de quelle dimension. On peut les nommer des anges, des archanges, des extraterrestres, ou une entité, ou une énergie, ou un champ d'information. Mais c'est tellement multidimensionnel que dans certaines dimensions, c'est des couleurs, dans d'autres, c'est des sons, dans d'autres, ils ont un corps, dans d'autres, non. Et c'est tellement complexe. Que moi-même, en tant que femme, j'ai pas envie de connaître tout ça parce que moi, je vis sur Terre. Et donc, j'ai aussi, moi, mes limites en tant que médium. Et moi, Aurore, j'ai pas forcément besoin de savoir parce que ça me permet d'alimenter ma foi. Et pour moi, avoir la foi, c'est croire en quelque chose, même si je peux pas expliquer le pourquoi du comment. Et c'est ça qui me plaît dans ma vie à moi. Ok. Donc, voilà, je cherche pas à avoir d'explication rationnelle. Et justement, par rapport à ta vie, personnellement, comment c'est arrivé? Comment ça t'est tombé dessus? Est-ce qu'un ça c'est depuis ton enfance ou Il y c'est arrivé plus a tard? une chamane qui m'a dit que je l'avais depuis mon enfance, mais moi, j'avais pas du tout tilté que j'étais médium. J'avais une sensibilité et une vision du monde très poussée quand j'étais jeune. Très paradoxalement, je voyais le système dans lequel on était, mais j'avais 7 ans, donc va trouver l'argument pour donner un point de vue sur ce que je voyais du monde, sur la politique, sur les vaccins, sur plein de sujets, tu vois. Donc c'était un peu bizarre de ressentir ça, et je le comprends maintenant. Après, moi, la médiumnité en tant que telle, comment je l'ai expérimentée, telle que je te l'ai décrite dans le début de l'émission. Ça a commencé vraiment il y a 2 ans où bah, j'ai eu d'abord une année où souvent on dit quand on fait un éveil de conscience, on fait des burn-out, Oui, c'est on a vrai. des dépressions. C'est des choses qui sont récurrentes, elles ne sont pas obligatoires heureusement, Ou un mais accident, souvent, enfin ou un une accident. Et... NDE ou ce genre de choses, ouais. Exactement. Et ça, je trouve que c'est très fréquent dans ce qu'on entend. Et pour moi, bah, ça a été aussi, j'ai envie de dire, le parcours classique ou un des parcours qu'on entend plus souvent. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée à vraiment faire appel à quelque chose de plus grand. Moi, je savais que ça existait, mais j'avais jamais vu de médium, j'aurais jamais pensé le devenir. Et je me suis dit, tiens, s'il y a quelque chose de plus grand, bah, je veux bien y croire. Je m'en remets à vous parce que moi, la façon dont je vis, bah, j'y arrive pas en fait, et je suis en train de perdre ma foi et je suis en train de perdre le goût de vivre. Donc, bah, j'ai besoin d'aide. Et donc, j'ai littéralement fait une sorte de prière, tu vois. J'ai dit à voix haute, bah, s'il y a quelqu'un qui m'entend, quelque chose, faites-moi un signe, je suis prête, quoi. Et quelques semaines après, j'avais une amie qui a eu des gros problèmes de santé et la médecine traditionnelle ne pouvait pas répondre à son besoin. Et je pense à elle et tout d'un coup, j'ai des phrases qui me viennent. Et à ce moment-là, je me centre dans un état méditatif et je fais ce que j'appelle l'écriture automatique, tu vois, ou Ouais. l'écriture intuitive. Avant, ce n'était pas du tout de la parole comme maintenant. Et donc, je me concentre et là, il y a 3 pages qui sortent et ça raconte des choses sur sa vie que je ne connais pas. Donc, je l'appelle. Je lui dis, écoute, faut que tu viennes, faut que je te lise un message. Je lui lis, elle fond en larmes, elle a des frissons partout, et elle me dit, mais personne n'est au courant de cette histoire, comment tu sais ça? Là, je fais, bah, écoute, j'en sais rien, je sais pas d'où ça vient, je ne comprends pas. Et je me suis réentraînée. Tiens, si je demande à quelqu'un pour un autre ami, allô, quelqu'un, il y a quelqu'un, répondez-moi. Pareil, je me centre. Et de nouveau la même sensation, écriture automatique, et des messages me viennent. Et en fait, je me suis entraînée au bout de, je sais pas, 50 personnes, même des gens que je ne connaissais pas, ça marchait à chaque fois. Donc c'est là que je me suis dit, bon bah merci pour le signe, je vais donc continuer à transmettre des messages. Et c'est à force d'entraînement que je suis passée de l'écriture automatique à la parole, et que maintenant c'est un flux qui est beaucoup plus fluide, parce que ça a été un entraînement qui a été fait. D'accord. Et justement, bah, ton entourage, comment ils ont pris ça, tes amis, tout ça? Tu parlais de cette première expérience avec Bah, une amie. c'est arrivé Ouais. dans une. Bah, c'était des personnes qui étaient déjà éveillées et qui connaissaient plus ou moins ce monde-là, donc j'ai été assez bien accompagnée aussi bien de l'autre côté que sur Terre, j'ai envie de dire. Et puis après, c'est arrivé un moment de ma vie où j'ai tout changé dans ma vie. J'ai tout changé. J'ai arrêté mon boulot, j'ai déménagé et j'ai changé tout mon cercle amical parce que la vie dans laquelle j'étais était plus du tout appropriée à qui j'étais. J'étais pas heureuse, d'où cette prière. Donc j'ai naturellement rencontré des personnes qui étaient au même niveau vibratoire que le mien.
où j'étais devenue, enfin, tu vois, des gens qui ont, je me suis réadapté, mon entourage s'est réadapté à moi, c'est ça que je veux dire. D'accord. Donc naturellement, j'ai rencontré des personnes connectées et qui eux-mêmes sont plus ou moins médiums. Et du coup, ça fait partie de notre vie au quotidien, tu vois. Et là, après, au bout de 2 ans, tu t'es plus épanouie dans cette nouvelle version de toi ? Ça a tout changé. Ça a tout changé. Tout d'un coup, j'ai découvert vraiment l'abondance. J'ai découvert le lâcher-prise profondément parce que j'ai fait confiance à quelque chose de plus grand. J'ai fait confiance à mon âme. Alors après, c'était un parcours que je faisais déjà depuis des années, mais pas sous forme de médiumnité. Mais ça faisait pas mal de temps que je disais, j'aimerais laisser mon âme aux commandes. Je veux laisser mon âme aux commandes. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit ça que toute ma vie s'est dégringolée, parce qu'en fait, mon âme a pris les commandes et elle a fait, ok, bah moi, ce que je veux comme vie, c'est pas ça. Parce que là, ta vie, c'est ton ego blessé et c'est pas toi, Aurore. Donc je vais tout reprendre en main. Sauf que qu'au début, quand tu le vis, bah, tu fais mince, c'est tout qui s'effondre, y a rien qui marche. Putain, je suis nulle. Qu'est-ce que j'ai fait, merde. C'est un cadeau caché. Et je l'ai compris au bout d'un an, et mon âme, elle a fait, voilà, maintenant ton chemin, c'est celui-là. Et là, maintenant, je reçois des infos sur autre chose encore, et j'ai d'autres projets à mettre en œuvre. Et c'est une transformation permanente. Après, je pense aussi qu'il y a quelque chose... Moi, à force d'expérimenter, notamment par rapport à l'astrologie, je crois de plus en plus au fait qu'il y a des choses qui sont prédestinées. Et je pense aussi que ça s'est ouvert parce que je l'ai demandé, mais je pense aussi que ça devait être écrit quelque part dans mon contrat d'âme avant mon incarnation. Parce que moi, je crois à l'incarnation et je crois au fait qu'on décide avant de s'incarner. On a des plans ou des contrats qu'on s'engage avec nous-mêmes, avec d'autres gens, et qu'on ne peut pas vraiment échapper quand on le vit. Après, on le vit avec notre niveau de conscience selon comment on a réussi sur Terre à retrouver notre conscience évoluée. Donc, ce sera plus ou moins fluide. Mais c'est tout un travail individuel. Mais il y a des choses pour moi qui sont écrites. Donc, je pense que ce don vient quelque part de nulle part. Mais j'imagine que, je sais pas, j'ai dû avoir d'autres vies où j'étais peut-être médium. J'en sais rien. Hein, j'ai pas été vérifiée. Mais ce qui est drôle, c'est que personne ne t'a rien dit. Tu n'as pas contacté d'autres médiums. C'était vraiment toi toute seule. À un moment, tu te sens pas bien et tu te dis, bon, ok, ça va pas. Ah. Et tu te dis à ce moment-là, ben, je vais laisser mon âme guider. Mais comment t'es venue cette idée-là ? Est-ce que tu avais une religion avant ? Est-ce qu'il y avait non, une influence, religion, quelque chose ou... mais j'avais pas de religion, mais par contre, ça faisait quelques années que je lisais des livres sur le développement personnel, la spiritualité, le coaching, la loi de l'attraction, le pouvoir de l'instant présent, toutes des choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé à vouloir m'intéresser au pouvoir de l'attraction. Je me disais, bah, attends, ça marche pour des gens, ça peut fonctionner pour moi. Et donc, j'ai commencé à travailler sur moi, littéralement, à changer mes croyances limitantes, à comprendre que j'en avais, à savoir que j'avais des mémoires familiales, un karma. Mais moi, au début, karma, ça veut dire quoi? Enfin, et donc, je commençais à apprendre tout ça. Puis, tu vois, c'est toujours la même chose. On est là, on commence à découvrir un thème, et puis après, il y a l'astrologie, ah, puis après, il y a le chamanisme, ah, puis après, il y a ça, puis en fait, ça devient passionnant. Et moi, je cherchais des réponses pour pouvoir simplement être plus heureuse et réussir à réaliser mes rêves. Et vu que je partais avec des croyances limitantes, chaotiques, je n'allais pas les réaliser, donc je me suis remise en cause. Et donc, après, c'est ce cheminement-là qui a créé cette médiumnité, mais... moi, je ne l'ai pas construite. Je ne me serais jamais dit un jour, je ferais du YouTube en étant médium. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais fait mais n'importe quoi. Jamais je ferais ça, t'es ouf ou quoi? Enfin, c'est... Justement, oh, tu me fais mes enchaînements, mais c'est royal. J'ai l'impression que tu lis ma feuille. Justement, par rapport à ce projet de chaîne YouTube, et allez, maintenant, je vais partager les informations que je reçois. Comment ça t'est venu? Alors, ça a été un parcours... au début, j'ai commencé sur Facebook. J'avais un groupe Facebook, parce qu'au début, tu commences, t'as 3 personnes qui suivent, ce qui est pas plus mal, comme ça, il n'y a pas grand monde, c'est rassurant, tu vois. Donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos, parce que ma médiumnité commençait tout juste. Et donc c'était dans un premier temps pour partager donc ses connaissances. Et puis, moi, j'avais besoin de m'entraîner. Donc, je disais, voilà, si je peux vous accompagner, avec plaisir. Et puis, bon, j'ai commencé à alimenter Facebook, puisqu'il y a un algorithme qu'il faut alimenter pour que ça existe. Donc, tu vois, je rentre dans le système, j'allais dire informatique, tu sais, c'est un grand mot, mais pour moi, c'est de l'informatique Facebook, tu vois, parce que je suis vraiment pas douée dans ces trucs-là. Et puis en fait, à force de partager des vidéos, je vois que ça commence à prendre. Puis moi, je fais des accompagnements en individuel à ce moment-là, donc des lectures d'âme, donc c'est-à-dire une guidance, mais pour la personne. Donc là, c'est son âme qui me parle et je donne les infos. C'est pas thérapeutique, ça lit pas l'avenir, ça donne des informations sur qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que la personne puisse faire ses choix. Et ça met des mots souvent sur ce qu'ils ressentent et ça vient confirmer souvent ce qu'ils savent déjà. Mais au moins, ça les met en conscience. Donc j'ai fait ça pendant un temps. Et en même temps, j'avais ma guidance qui me disait, là, Aurore, parce que moi, je leur demandais, on parle de quoi? Parce que moi, j'ai rien à dire sur Internet. Aurore, elle a rien à formuler. Enfin, moi, j'ai rien à proposer comme message, tu vois. Moi, je galère dans ma vie, entre guillemets. Enfin, je galère plus, mais tu sais, je vais pas être là, genre, j'ai compris la vie, tu vois, pas du tout. Oui.
Donc, limite, ça demander fait des une vidéo, mais voilà. guides. Mais c'est pas mon but. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je demande au guide, bah, vous voulez parler de quoi? Et donc, ils me disent, bah, on aimerait parler de tel thème. OK. Et donc, je tourne les vidéos selon leur sujet. Et ils me disent, fais du YouTube. Et moi, je dis non. Non, YouTube, c'est la fosse au lion. Non, attends, j'ai pas envie. Facebook, c'est bien. On est en petit groupe, c'est plus sympa. Et ils insistent, et ils insistent. Et pendant 4-5 mois, je refuse, je refuse. Et au bout d'un moment, bah, ça insiste tellement que je me dis, allez, après tout, ça fait un an qu'ils me font des guidances pour ma vie privée. Et en fait, tout fonctionne. Je peux que leur faire confiance. J'ai eu tellement de preuves que j'ai une confiance absolue en ce qu'ils me disent. Parce qu'à chaque fois qu'ils me proposent quelque chose, ça se réalise. Donc, c'est juste magique. Donc je fais bon allez, je me lance dans YouTube et au début j'avais super peur, puis après j'ai vu que bah en fait c'était comme Facebook, tu mets une vidéo puis c'est tout, tu vois. Mais c'est tout ce qu'on se fait dans sa tête, tu vois. Et c'est un travail sur soi. Parce que ce qui est intéressant quand on se met en image, c'est qu'en fait on travaille sur soi et qu'on se voit. Et moi ça m'a permis de continuer mon cheminement intérieur de guérison personnelle pour apprendre à m'aimer davantage, tu vois. Et puis après YouTube est parti. Et alors là ça a commencé à être fulgurant à partir du moment où j'ai fait une conférence. Je crois que c'était un peu en janvier, un peu avant le confinement. Ils m'ont dit d'ailleurs, tu verras, quand tu feras cette conférence, ça va tout lancer. Effectivement, je l'ai mis en ligne. Et puis alors là, après, ça a été mais la folie. J'ai été complètement dépassée. Je me suis dit, mais YouTube est en train de bugger, c'est pas possible. Il y a trop d'abonnés, là, je ne comprends pas. Et en fait, ce qui est très intéressant pour moi dans la façon dont je l'ai vécu, c'est qu'il y a eu des guidances que j'ai reçues. C'est-à-dire que pendant le tournage, il y a des vidéos où je ressens une énergie très forte, tu vois. Et je ressens presque la présence de ceux qui me guident. Et quand l'énergie est très forte, en général, c'est une vidéo qui va faire un buzz de dingue. Et quand je fais une autre vidéo où l'énergie est moins forte, la vibration est moins dense, elle va faire moins de vues. Et je trouve ça passionnant parce qu'en fait, c'est pas une question d'algorithme YouTube. C'est juste que quand la guidance veut se faire entendre, il n'y a pas de souci. Ils font tout pour, les fameux hasards. Et en fait, ça n'a rien à voir avec nous. Et là, je trouve ça magique parce que ça enlève tous les codes de ce qu'on pense sur les paramétrages, les algorithmes et machin. Exactement. C'est une réalité. Mais eux, ils m'en ont montré une autre qui marche aussi. C'est les deux. Et alors là, à chaque fois, moi, ça m'ouvre mon champ de conscience, mon champ des possibles. Et plus j'avance dans mon chemin, et plus je me dis, franchement, je sais rien. Je sais rien de la vie. Je sais rien. Parce que c'est tellement complexe que je sais rien. Et peut-être même, je veux rien savoir, en fait. Parce que moi, personnellement, si je sais trop de choses, ça m'embrouille et ça me perd dans mon bonheur, tu Bon, ben justement, petite transition, merci encore vois. Aurore. Sur le libre arbitre, par rapport à justement tous les messages que tu reçois, je suis en train, franchement, je suis en train de rigoler toute seule de la suite logique là qui arrive. Par rapport au libre arbitre, tu reçois des messages pour toi. Est-ce que des fois tu te dis, bah non, je vais pas écouter. Et finalement, là, tu es déjà en train de commencer à répondre à cette question. Bah ça arrive, donc au bout d'un moment, voilà, la preuve est là. Mais Est-ce que j'écoute ou pas toutes les est-ce que guidances que je voilà, reçois? c'est ça, l'intégralité ou une partie ou... Déjà, moi, je reçois maintenant plus vraiment de guidance pour moi-même. Puis moi, j'appelle pas les guides, hein. Moi, c'est eux qui viennent à moi maintenant. Alors que pendant un temps, je faisais l'inverse. C'est moi qui les appelais tout le temps. Ils répondaient gentiment. Moi, quand je fais de la guidance, déjà, c'est que derrière ma caméra maintenant. Je ne fais jamais de guidance dans ma vie privée, sauf de temps en temps pour des amis. Je vais faire ce que j'appelle une lecture d'âme pour rendre service. Là, je le fais gratuitement quand je rencontre des gens, mais je ne propose plus ce service-là, en tout cas professionnellement. Mais pour moi-même, je ne demande plus. Quand je ressens un sentiment de tiens, on a un message à passer, à ce moment-là, je prends mon téléphone et je fais la vidéo et je la partage au grand nombre. Après, moi, il y a des fois, je réécoute, des fois, pas du tout. Des fois, les guidances, j'ai pas envie de les entendre, ça résonne pas du tout avec ce que je suis en train de vivre. Des fois, oui. En plus, c'est des guidances très générales et elles sont là pour que chacun vienne picorer, en fait. Des fois, dans une guidance, c'est un mot qui va faire un déclic dans notre cheminement. C'est pas des C'est choses pour vrai. moi à appliquer de A à Z en disant voilà une règle qu'il faut faire et appliquer, pas du tout, parce que sinon on perdrait notre libre arbitre. C'est juste pour moi une information. C'est comme quand, je sais pas, on va lire un livre pour se détendre, bah on va chercher une sensation, ou quand on regarde un film, on va chercher une émotion ou quelque chose. Bah pour moi une guidance c'est pareil, chacun va y piocher ce qu'il veut. Et souvent de ce qu'on me dit c'est oh, bah ça résonne de dingue parce que je suis tombée comme par hasard ce jour-là, parce que oui notre âme nous a guidés et ça vient nous aider dans notre libre arbitre. Ça nous pousse à faire des meilleurs choix, je pense, et ça nous permet de mieux nous connaître. Mais ça pour moi ça devient ça c'est pour nous ramener à notre propre responsabilité. Je n'entends pas une guidance comme à appliquer. Pour moi, c'est inconcevable ça. Alors que le ton peut parfois avoir ce ton-là. Mais Oui. les guidances, parfois aussi, sont plus je les entends, des fois je l'entends, je l'interprète, et quand le temps passe, je la réécoute, je fais ah, mais je comprends maintenant ce qu'il voulait dire.
Et les guidances, souvent, elles sont symboliques et métaphoriques, parce que pour moi, le langage de l'âme est symbolique. Et nous, on a tendance à avoir un langage cérébral, où on veut que ce soit logique et rationnel. Une guidance, à mes yeux, n'est pas logique et rationnelle. Elle est vibratoire, elle est émotionnelle, elle est sensorielle, et elle passe à un niveau de l'inconscient ou même dans d'autres sphères. C'est pas à comprendre littéralement parfois. Et ça, je le comprends de plus en plus en les entendant. Mais au moment où on l'écoute, c'est pas ça qu'on se dit, parce que nous, on est avec notre cerveau, on a besoin d'une réponse, on va pas bien, on veut un truc. C'est pas comme ça qu'on l'entend, et c'est après coup. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je les vois désormais. Ok, merci beaucoup. Il Oui. y a Fidèle au poste, j'adore ton pseudo, Ouais. Fidèle au poste. C'est pareil. Fidèle au poste qui te demande, est-ce que c'est dense ce soir, c'est-à-dire dans cette énergie que tu ressens avant une connexion, et il te demande pour ce soir, est-ce que c'est Alors c'est dense? marrant, pour l'instant, j'ai demandé beaucoup de protection aujourd'hui parce que j'avais pas envie de ressentir la densité, parce qu'il y a des fois quand je fais des directs, une fois il y avait 2500 personnes, j'ai ressenti vraiment les 2500 personnes en même temps. Et là moi ça me fait une sorte de vibration comme ça, c'est un peu difficile. Là depuis 2 jours, je ressens plus ou moins des énergies par rapport à ce soir. Mais comme si j'étais déjà en travail depuis 2 jours, alors que bah, je fais rien, tu vois, je suis pas en médium la journée. Mais après, là, tout de suite, tu vois, je ressens pas de densité. Et puis avant, j'ai demandé à être protégée, à recevoir une énergie douce pour pas me sentir agressée ce soir. Donc c'est peut-être pour ça que je sens pas aussi, parce que j'ai demandé à la source. Après, quand je vais canaliser, peut-être que je sentirai autre chose. Ou quand on passera aux questions-réponses, là, peut-être que je capterai autre chose, puisque je serai ouvert à vos questions. Si on le fait d'avant plus, tu vois, d'affilée, je veux dire, Oui. qu'une question de temps en temps. Alors, Francis qui te pose cette question, comment concilier la liberté individuelle? Donc on est dans cette idée de libre arbitre, donc je prends celle-ci pour aller plus loin. Comment concilier la liberté individuelle si le scénario de vie semble déjà écrit avant l'incarnation? Ouais. Qui c'est qui répond? Aurore ou la médiumnité? T'as envie Comme de tu le quoi? sens, comme tu le sens, au feeling. Je vais laisser la source répondre si j'arrive à les capter. C'est eux qui parlent. Vous avez toujours votre libre arbitre dans tous les choix que vous faites et dans toutes les propositions qui vous sont offertes. Quand vous vivez une vie, il y a des occasions et des événements et des opportunités qui, certes, sont effectivement écrits à l'avance, mais vous avez le choix de les accueillir ou non, avec joie, bonheur, délectation, résistance, en étant dans l'ego, dans l'âme, dans la joie, dans la peur. Ça, c'est de votre responsabilité. C'est vous, être humain, qui faites l'expérience de votre réalité préécrite quelque part. Mais la façon dont vous allez l'expérimenter vous appartient à chaque instant, parce que c'est ça le véritable libre arbitre, et c'est ça la véritable expérimentation. C'est de se laisser découvrir dans une expérience pour découvrir le fond de nous-mêmes. Fin de la phrase. Merci, merci beaucoup. Bon, les amis, prenez une feuille et un stylo, c'est parti. Super. Vous avez une heure pour développer tout ça comme vous l'entendez, vous. Alors, ouais, ça peut être des messages qui sont assez profonds, assez philosophiques finalement, parfois. Pas tout le temps, il y a des messages très très simples, et puis il y en a d'autres. Voilà, comme là, il faudrait Moi, je écouter deux fois. Heureusement, la dis. vidéo est en Ouais. accès libre, vous avez le replay. Vous C'est revenez un ça. petit peu en arrière, vous réécoutez ça tranquillou. Écoute, on va passer à ton livre, comme on a eu un petit clin d'œil de là-haut. D'ailleurs, pour toi, ils sont un seul, enfin c'est un guide ou plusieurs guides? Moi, j'ai Enfin, l'impression qu'il y a plusieurs guides. J'ai pas souvent les mêmes. Ça dépend. Il y a eu des phases. Il y a eu une phase où j'ai eu un archange qui était très présent, c'était l'archange Métatron qui était là pendant un temps, c'était drôle. C'était devenu un ami, tu vois. Et puis après, il m'a dit, bon, je te laisse, grosso modo. Mais là, non, ça change tout le temps. Et puis, tu sais, moi, c'est une perception, donc je l'interprète comme ça. Ça se trouve, c'est mon âme qui va chercher des informations. Ou alors, il y a plusieurs énergies autour de moi, ça varie. Là, ce soir, j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Et à un moment donné, c'était marrant, avant le direct, je me suis mise à pleurer d'un coup. Et ça, c'est quand les archanges, ils arrivent, quand je les reconnais. J'ai un pleur, mais tu sais, d'amour, en fait, de gratitude, de connexion à d'accord. la source. Et j'ai été surprise parce que je me suis dit, c'est vous. Et tu sais, à chaque fois, j'ai peur de me tromper dans la guidance. Mais pour que j'ai une réaction aussi forte d'un coup, alors que j'étais en train de, tu sais, de ranger, de préparer mon ordi, enfin, rien de spécial. Et tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai reconnu
ma réaction à moi quand ils arrivent chez moi de temps en temps. Donc peut-être qu'il y a des archanges ce soir, mais franchement, j'en sais rien. Et je sais qu'il y a des gens qui sont capables de voir ça et qui verraient la vidéo et qui pourraient peut-être très bien le dire, ça se trouve. Il y a des gens qui voient les choses. Donc moi, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. C'est qu'une impression. Merci, merci pour ta réponse. Et tu fais des réponses hyper complètes, hein. Vraiment, merci là. Vas-y. Alors, je vais présenter donc ce livre, je vais le partager à l'écran aussi, qui s'appelle Espoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à Christelle Séval, qui est ton éditrice, édition Atlante. N'hésitez pas à aller voir les éditions Atlante, il y a plein, plein de bons bouquins. Et donc, il y a ce livre Espoir que tu as écrit. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Aurore qui a écrit ce livre? Est-ce que... Voilà. C'était dingue, c'était dingue. Ça s'est passé un été, l'été, il y a un an et demi, enfin, oui, on est à la rentrée, donc, enfin, pas cet été-ci, mais l'été d'avant. C'était très drôle, il y a tous mes projets de vacances qui s'annulent les uns après les autres, tu vois. Donc, je fais, bah mince, mon Ben été est zut, ouais. pourri, chez moi, c'est nul, mince, alors, j'ai tout raté. Ça craint. Et il m'avait dit quelques mois avant, tu vas écrire ton livre, enfin, tu vas écrire un livre cette année. Je suis, ah, d'accord, bah, c'est cool, c'est sympa, je suis contente de l'apprendre, moi, ok, ça me va. Puis ça faisait des années que je rêvais d'écrire un livre, tu vois, mais bon, là, ok. Et donc je me retrouve bloquée donc chez moi à pas partir en vacances, et donc j'entends, bah c'est l'heure d'écrire le livre. Et je suis, ah bah super, bah c'est quoi le sujet? Parce que moi j'ai rien à dire, tu vois, comme d'hab. Et là c'est hallucinant, j'entends, bah voici le sommaire, chapitre 1, titre, chapitre 2, titre, chapitre 3, titre, chapitre 22, titre. Je fais waouh, merci beaucoup. Moi, je regarde les titres, je fais, franchement, j'ai rien à dire dessus. Je veux bien apprendre, par contre, j'aimerais beaucoup lire ce livre, je suis curieuse. Donc, je vais me coucher, je prends des forces, et puis le lendemain, je suis disponible et je dis, bah, écoutez, la source, moi, je suis prête, je vous écoute. Et là, ce qui est fou, alors, ce n'est pas la toute première partie du livre, il y a une toute petite partie où c'est des questions-réponses, où ça, je l'ai écrit quelques mois avant, alors qu'à partir du chapitre 1, la partie 1, là vraiment ça a commencé comme ça, et donc c'était en audio. Et là j'entends partie 1. Ce que l'humanité a besoin d'entendre, ta 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 ta, il n'y a pas de silence, tu vois, blablabla pendant 1 heure comme ça. Ils ont fait exprès quelque part qu'il n'y ait pas de silence, comme ça mon mental ne pouvait pas intervenir. Moi j'étais hyper concentrée pour être bien dans cette position de recul, parce que quand je fais la médiumnité, moi Aurore, je me mets vraiment au loin pour ne pas interférer, pas intervenir, en tout cas du mieux que je peux. Parce qu'il n'y a pas de diplôme hein, pour être médium, on n'apprend pas. Hein. Moi, j'ai appris sur le tas, j'apprends toujours, et puis c'est tout le temps changeant en plus. Et donc voilà, je prends cette position de recul et blablabla, je reçois les infos. Et en même temps que je les entends, moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, ah bon, sérieux, mais c'est trop bien, c'est vachement intéressant. Et en plus, ils disent à un moment donné, nous en reparlerons au chapitre 13, tu vois. Et là, je fais, ah bon? Et je regarde juste le sommaire, je fais, oh, mais ouais, ça colle! Waouh! Ah, mais c'est dingue! Et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper bien structuré, j'étais fascinée. Et donc, pendant plusieurs jours d'affilée, comme ça, j'ai reçu toute cette guidance. Je n'ai pas changé une virgule, je l'ai retranscrite telle quelle. Et du coup, je vous l'offre telle quelle dans ce livre, parce que je ne me serais pas permise de changer un mot. Donc, c'était fascinant pour moi. De recevoir ces informations et en plus d'en apprendre, parce que sur les derniers chapitres, c'est des informations, vraiment, j'ai jamais entendu ça, je savais même pas que c'était possible. Et là, j'étais vraiment étonnée, quoi. C'est assez condensé, c'est assez dense Ouais. aussi. Alors, juste pour info, voilà, dans le sommaire, ça parle donc du bonheur, de la vibration, l'instant présent, l'abondance, la réceptivité, l'harmonie, la foi, la peur, le fait d'oser se montrer, oser faire des choix, oser s'assumer, quelque chose de plus grand est en marche, des dons vont se réveiller, ça part plus dans des petites précisions comme ça, des petites thématiques sympathiques, je sais que certains Nuréens aiment bien. Et ne vous inquiétez pas, on va arriver au titre Transformation planétaire. Attendez les gars, on arrive tout doucement. Mais justement, pour que vous puissiez poser vos questions à Aurore un petit peu plus tard dans l'émission, il est important déjà de savoir qui est Aurore. Donc, pour justement faire plus attention aux messages donnés. Donc, il y a aussi bon, des thématiques comme comment être dans l'amour, comment vibrer la paix et l'énergie. Voilà, il y a plein plein d'informations. Ça peut commencer par des questions toutes simples. Je demande aux guidances de s'exprimer à travers moi pour le bien de l'humanité. Quel message l'humanité a besoin d'entendre en ce moment? Et là, hop, c'est parti. Ouais, Il y a des pages, et des ça pages. c'est voilà, c'est ça. Et cette C'est... partie-là, je l'ai écrite un peu plus tôt, tu vois. C'est il y a deux. Enfin bon, ça change rien, mais bah ouais. Je sais pas quoi dire en fait, tu sais.
Alors, il y a aussi ce côté aussi un petit peu que tu me disais en début d'émission, là j'ai sous les yeux, c'est marqué suivez sans réfléchir ce qui vous sourit à l'intérieur, par exemple. Ouais. Et donc à un moment, tu souriais pas du tout, tu as tout arrêté, ça a été douloureux pour changer de voie, changer de vie. Ouais. Et maintenant, est-ce que justement tu pourrais dire que toi, tu arrives à suivre sans réfléchir Maintenant, et oui, j'ai sourire de compris en fait l'intérieur? ce que ça voulait dire. Maintenant, je fonctionne vraiment comme ça. Je fonctionne que à l'instinct, à l'intuition. Mon cerveau, il a descendu d'un cran, tu vois. Je suis plus dans le mental. Enfin, j'en ai toujours un, hein, mais je ne fais plus mes choix comme ça. Je le fais instinctivement et intuitivement. En fait, ce que je comprends, moi, de ce propos que tu viens de reprendre, c'est mon interprétation. Là, c'est vraiment Aurore qui parle, hein, Oui, c'est pas de la vas-y. guidance. C'est qu'en fait, pour moi, quand on est dans le cœur et dans la joie, c'est notre âme qui nous parle. Et que nous, on a été conditionnés à être dans les règles strictes, les conditionnements, faut faire ses devoirs, mettre au boulot dodo, faut avoir un rythme. Et en fait, on devient plus ou moins esclave de nos propres projets, même s'ils sont peut-être passionnants. Notre âme, elle est dans le cœur, elle est dans l'amour, elle est dans la joie, elle est dans l'énergie de la vie. La vie n'est faite que d'amour. Et ça, je l'entends un milliard de fois dans plein de guidances ou même dans plein de textes, c'est une vérité, quoi. À mes yeux, il y a l'amour et il y a la peur. La peur, vient souvent du mental et l'amour vient du cœur. Et quand tu suis ce qui te donne envie, même si tu sais pas pourquoi, bah, si tu suis la joie, l'univers va forcément te le rendre parce que ça va dans le sens de ton âme et pas forcément dans le sens de notre mental ou de notre conditionnement, qu'il soit sociétal ou familial, ou simplement des réactions de vie. Enfin bon, on a tous un conditionnement en nous. Ah oui. Et je comprends maintenant la guidance quand elle dit ça parce que maintenant, moi, je fonctionne que dans la joie et je n'ai plus la notion d'effort. J'essaie d'en avoir de moins en moins parce que c'est ce que je veux expérimenter moi dans ma vie. C'est ça qui m'amuse. Donc, je me donne les moyens de. Et maintenant, dès que ça donne un effort, je n'y vais pas, je ne le fais pas ou je le reporte. Et en fait, tout n'est que joie, tout n'est que légèreté. Et c'est là que je vois à quel point la vie est abondante, mais vraiment. Et parfois même miraculeuse, mais vraiment. Dans ma vie, il se passe des miracles. Littéralement. Depuis que j'ai ouvert mon cœur, depuis que j'ai compris ce principe et que je le mets en application chaque jour, je t'assure que la vie te le rend. Mais vraiment, c'est extraordinaire et je n'ai pas d'autre mot que c'est miraculeux. On en parle un petit peu de ces formes de synchronicité qui te font parfois te dire que t'es pas tout seul, et que Oui. voilà, tu penses à quelque chose, t'allumes la télé, tu as l'info, ou ce genre de petits Mais clins oui, tout à d'œil fait. de la vie. Mais parce qu'en Donc. plus, tout ce qu'on vit et tout ce qui est autour de nous est en résonance avec ce qu'on vibre et on fait l'expérience de ce en quoi on croit et on attire à nous ce qu'on est profondément. Donc s'il y a quelque chose en face de nous qui ne nous convient pas, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas juste. Et tu vois, pour moi, Exactement. tout n'est que miroir. Donc plus tu vibres haut, plus tu es dans le cœur, plus tu es dans l'amour, plus tu es dans la foi, bah, plus tu vas avoir une vie qui te rend de l'amour, du cœur et de la foi et du bonheur. Et si tu es dans une peur, dans une crainte de je ne sais pas si je suis capable, bah, tu feras une expérience qui te montrera, bah non, tu n'es pas capable parce que tu en as peur. On ne fait que l'expérience de ce en quoi on croit. Exactement, merci. On l'a déjà entendu sur Nuria TV, il y en a plein qui voilà, qui réentendent ce genre d'informations, donc ça se croise par des personnes qui ne se connaissent pas. Voilà. Donc c'est toujours très très intéressant. Dans ce livre, donc moi, je t'en avais parlé un petit peu, quand j'ai lu le livre, j'avais l'impression, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu guides plusieurs personnes, ou j'avais l'impression qu'il y avait des tons différents. Et qu'en fait, parfois, même, ça soufflait le chaud et le froid. Et par rapport à moi, hein, c'est très relatif. C'est, selon ma lecture, il va y avoir tout un paragraphe que je vais lire et je vais me dire, ah tiens, ok, c'est pas mal, ça me parle. Puis un autre où je me dis donc, le ton, il est un peu brutal quand même. Ça va là-haut, on se détend. Est-ce que ça a été, tu penses que ça a été fait exprès? Est-ce que, parce que aussi sur tes vidéos, et je me souviens, on en avait parlé un petit peu au téléphone, tu avais dit à un moment, c'était drôle quand tu recevais des messages, parfois ta façon de les dire aussi et pouvait paraître dure parce que le message était très très fort Ouais, des énergétiquement. fois c'est une énergie en fait, ou des fois je fais pas de silence, tu sais, c'est blablabla, et je ne peux pas contrôler. Là, je ne suis plus, si tu veux, ma bouche, je suis plus aux commandes vraiment, tu vois. Après, peut-être que je pourrais leur dire, je veux une guidance lente et leur demander avant, tu vois, mais j'y pense pas. Des fois, je suis trop curieuse, bah, j'écoute la guidance et puis je lance le truc, tu vois. Et des fois, l'énergie est tellement forte qu'il n'y a pas de silence et ça. C'est une vibration. Alors, je pense pas que ce soit forcément leur ton à eux. Je pense que c'est le ton qui en découle de moi qui encaisse l'info, tu vois, ou l'énergie. Parce que moi-même, j'ai un ton virulent dans ma vie, parce que moi aussi, j'ai du caractère.
je sais pas, je suis piquante, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté, je vais pas tout le temps être en mode la vie c'est tout lisse, bah non, je suis pas d'accord. Moi, c'est mon caractère, donc je pense aussi que ça doit venir un peu aussi de moi. Parce que bon, bah, je suis la porte-parole, je fais tant bien que mal ce que je peux, mais bon, j'ai mon caractère aussi. Donc, Ça veut y pas a dire peut-être des que. fois, quand tu reçois un message, Bah, tu c'est-à-dire penses, que. enfin, t'es Bah, tellement en d'accord fait. avec le truc que tu l'appuies peut-être C'est un peu pas une plus. question de le contenu, parce que moi, quand je canalise, je sais même pas ce que je dis souvent. Donc, c'est pas une question de. C'est pas sur l'idée. Je reviens sur le fait que pour moi, une guidance n'est pas cérébrale. C'est une énergie qui passe. Et moi, littéralement, elle me traverse, cette énergie. Et quand moi, j'ai une énergie forte, bah, Aurore, elle parle comme ça quand elle a une énergie forte, tu vois. Et donc, du coup, tu as l'impression que je t'engueule. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que je suis speed, tu vois. Mais ça, c'est moi. Mais parce que j'ai une énergie forte qui me pousse, tu vois. C'est pas une question de propos. C'est une question énergétique. Parce que dans les guidances, jamais je ne vais, enfin en tout cas, je fais vraiment du mieux que je peux. Je vais pas dire jamais parce que je fais des erreurs évidemment, mais je ne vais pas valider ou non une guidance parce que moi-même il faut que je la réécoute et que moi-même j'ai des choses à apprendre. Et quand je suis en mode je canalise, bah je transmets tant bien que mal et j'essaye vraiment de pas être présente, tu vois. Donc c'est pas une question de contenu, c'est important pour moi de le préciser parce que je suis juste une porte-parole et chacun en fera ce qu'il veut. Et Après, donc, pour le ton, oui. sur le bouquin, je pense que oui, il y a peut-être. Enfin, ça m'a pas sauté aux yeux la nuance des deux tons dont tu parles, mais c'est intéressant que tu l'aies ressenti. Parce qu'à mes yeux, il y a aussi. Si tu veux, c'est pas un livre qui est lisse dans le sens. On nous caresse dans le sens du poil. On est là pour nous réveiller. Au bout d'un moment, pour te sortir du lit, bah, faut un peu te tirer, quoi. Donc, oui, c'est en douceur, mais des fois, bah oui, bah, t'es en train de me tirer, bah oui, je veux que tu te lèves, tu vois. Donc, ça va pas être, je te lève dans ta Ben couette tout voilà, fou, tu c'est un petit peu ça. Donc, tu préfères prévenir les futurs lecteurs de ton livre ben voilà, pour qu'ils sachent voilà, qui est l'auteur, comment tu l'as écrit, comment ça se passe, et que comme ça, la lecture soit beaucoup plus simple. Et moi, je vous conseille un petit truc, les amis. Il y a tellement d'informations, tellement de chapitres différents sur des thématiques différentes. Et je trouve que c'est un livre qui est génial quand tu le prends, que tu l'ouvres. Et que tu lis ce qui te vient sous les yeux, à gauche, à droite, en haut, en bas, voilà, peu importe. Et voilà, là j'ai les hasards heureux, les synchronicités, les rencontres qui transforment votre vie ne peuvent arriver que si vous êtes déconditionné, que vous suivez vos élans du cœur. Et c'est drôle de parler de synchronicité qui a été ces hasards qui n'en sont pas, le début d'émission. Voilà, donc le hasard est bien fait, j'ai pris le bon paragraphe, celui qui m'allait bien, qui me conforte dans mon ressenti du début d'émission, qui m'a fait rire. Donc voilà, c'est vraiment un livre, je vous conseille de, bah, pour ceux qui veulent le lire. De façon classique, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai commencé à lire comme ça, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que c'est un livre à message et qu'effectivement, j'aimerais bien essayer de tester le hasard de ces petits paragraphes qui te poussent un petit peu et de me dire, bah, tiens, peut-être que justement, sur une journée où j'ai pas le goût, comme par hasard, je tomberais sur le truc. Bon, bah allez, faut y aller maintenant. Allez, on se bouge. Ouais, mais ça marche super bien. T'as tout à fait raison, hein, de le lire comme ça. Plein de personnes m'ont dit qu'ils le faisaient aussi. Et effectivement, c'est toujours une petite réponse. Et c'est plus léger. Et comme ça nous permet de vivre au quotidien et non pas de bûcher dessus. Enfin, chacun fera comme il veut. Mais en tout cas, ouvrir un livre au hasard, il y a toujours une réponse derrière. Parce qu'encore une fois, on va attirer la vibration qui est en résonance avec celle qu'on vibre. Donc, on a la réponse. C'est toujours la même règle, en fait. Et vraiment, il est dense, les amis. Il y a plein, plein de thématiques différentes, il y a plein de sujets différents, il y a des petites phrases par-ci, par-là qui vont vraiment impacter plus que toute la page. Ça va vraiment nous parler. Donc, je pense que c'est un livre qui va vraiment s'adapter à chaque lecteur. Ça, pour le coup, Exactement. bravo. C'est quand même assez compliqué le faire, voire même impossible. Ben, celui-ci, je confirme que c'est le cas. Voilà. C'est Ouais. à mettre entre toutes les mains curieuses. Envie d'en savoir un petit peu plus sur tous ces mystères qui nous entourent. Qui suis-je, où vais-je, que veux-je, tout ça. Voilà. Beaucoup de réponses dans ce livre-là. Je vais commencer. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence à prendre des questions des internautes? Qui vont nous emmener un petit peu à gauche et à droite. Mais avant que je commence à prendre ces questions-là, donc les amis, je vous laisse copier-coller vos questions sur le chat. Là, je commence à avoir des noms d'autres intervenants ou d'autres channelers. Et tout le monde dit, ouais, vous êtes super complémentaires. Il y a exactement le même discours chez les autres channelers avec ce flux d'énergie, cette façon de partager les messages qui peuvent vraiment. Voilà, la fréquence peut vraiment changer suivant l'émetteur, déjà de l'autre côté. Et la personne qui reçoit et la.
Et l'intensité du message, voilà, de l'énergie du message. Donc, ouais. Ah ben, merci, ça me rassure d'entendre ça aussi. Ouais, tu es normale en tant que challenge. Ouais, bien. Donc, voilà, posez-moi vos questions sur le chat et je vais les reprendre et les poser à Aurore juste après. Mais avant, j'ai une question. Justement, est-ce qu'on peut parler de la transition planétaire en ce moment? Tu sais que, enfin oui, voilà, tu vis ici, tu vis comme nous, et mis à part ces capacités que tu as, tu es quelqu'un comme tout le monde, et qu'en plus, comme tu te fais pas forcément guider non plus, tu suis le flot de la vie comme n'importe qui ici. Donc tu as dû déjà voir qu'en ce moment, c'était un petit peu tendu au niveau des difficultés qu'on peut avoir, que ce soit économique, santé, tout ça. Est-ce que là-haut, ils t'en ont parlé d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a eu des messages qui sont arrivés concernant ce moment, cet instant T qu'on vit tous, un petit peu difficile, plus ou moins? Alors, j'ai pas reçu plus de messages que ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube, mm-hmm. parce que tous les messages que je reçois, encore une fois, je les transmets tout de suite, enfin, je les transmets directement. Je ne reçois pas de message de leur part s'il n'y a pas ma caméra qui tourne, c'est ça que je veux dire. Donc, je n'ai pas de message en plus. Par contre, je vais leur demander là ce soir s'ils ont quelque chose à nous dire. Je vais me centrer un peu. Oui, sur cette transition planétaire. Déjà, j'entends, tout est en cours et les choses se passent bien mieux qu'on ne l'imagine. On vous l'a déjà formulé, ne vous fiez pas aux apparences. Les transformations qui ont lieu sont certes chaotiques et elles peuvent engendrer un certain climat de tension, mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre et vous n'êtes pas obligé de le vivre en tension. Vous pouvez très bien revenir dans votre intériorité. Si vous revenez dans votre centre, vous voyez qu'en fait, la paix est là, elle est en vous. À partir du moment où vous vibrez la paix et ce sentiment de quiétude qui est en vous, alors il émane et il pourra se manifester davantage dans vos vies, dans vos actions, dans vos émotions et dans vos réflexions sur les événements qu'il se passe en dehors de vous. Ne vous associez pas aux événements. Les vibrations sont denses et elles se... J'ai une image de... Tu sais, ça s'entrechoque comme ça. Ça ne va faire que s'amplifier. C'est nécessaire pour pouvoir restructurer l'énergie vitale de la Terre afin que chaque être humain puisse vivre une vie qui soit beaucoup plus alignée et à son image réellement dans le fond de son cœur. C'est un cadeau que vous vivez. Ce n'est pas parce qu'au quotidien, il y a des choses qui ne sont pas fluides que dans l'absolu, la vie ne l'est pas. Essayez d'avoir toujours le plus de recul possible et de toujours rester en votre centre. Si vous voulez pouvoir vivre cette transition planétaire qui va durer encore plusieurs années et dont les frictions ne vont faire que s'amplifier, si vous voulez vivre ces transformations de façon douce et paisible, il s'agit de revenir en votre centre. Il s'agit de revenir en votre intériorité, de revenir dans votre silence intérieur, dans votre émotionnel, dans votre moi profond que seul vous pouvez percevoir. Il n'y a pas de mots et d'explications à mettre dessus, c'est un ressenti et une expérience intime que chacun d'entre vous pouvez vivre si vous le décidez et le choisissez. J'ai pas plus pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Peut-être qu'il y en aura une après, je pense. On va faire quelques questions et on fera une guidance. Oui. Alors, alors, petite question administrative d'Audrey. Aurore, la conférence canalisée prévue puis annulée à Paris pendant le confinement va-t-elle être programmée? En tout cas, merci pour tes vidéos, je te suis depuis plusieurs mois. Merci. Oui, ça va sûrement être reprogrammé, mais alors... C'est une reprogrammation totale parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que ce soit que de la guidance et moi-même, je ne suis pas encore prête en réalité, donc je comprends le cadeau caché. Ça a été annulé pour cause de confinement, mais en fait, ça a été annulé parce qu'ils m'ont fait une farce et en fait, si tu veux, j'ai le théâtre qui m'attend et en fait, je suis obligée de faire cette conférence, mais je ne suis pas sûre que ce soit que de la médiumnité. Et je ne peux pas en parler encore parce que je dois réaccoucher de moi-même. C'est en cours, je vois le chemin. Mais là, vraiment, tu sais, c'est genre, putain, je ne peux vraiment pas fuir mon destin, quoi. C'est très drôle. Donc oui, c'est en cours et ça reviendra, mais je ne peux pas dire quand, je ne sais pas comment. Tout ça va être... Mais en tout cas, c'est promis, il y aura une date. Oui, ça, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Merci, merci beaucoup, Audrey, pour cette question. Alors, j'ai une autre question de Catherine qui te demande, Catherine Voisson, qui te demande, que veulent dire les incendies dévastateurs en Amérique?
Je vais laisser la guidance. Ah, en fait, ouais, il me renvoie. Là, c'est Aurore qui parle parce qu'ils m'ont renvoyé un flash sur une info qu'ils m'avaient déjà fait formuler. Et après, je demanderai s'il y a une guidance pour compléter. En fait, ils ont donné une métaphore, je ne sais plus dans quelle guidance que j'avais faite, que je trouve géniale. D'après la guidance, il faut voir en ce moment la planète Terre comme un jardinier qui est en train de refaire son jardin. Il est en train de tout restructurer. Là où c'est aride, il va mettre de l'eau. Là où il y avait trop d'eau, ça va devenir aride. Là où il y avait certaines plantes, il va les changer. Et en fait, le fait de brûler, c'est comme pour purifier en fait les énergies, pour que ça puisse repousser avec une nouvelle, on pourrait dire une nouvelle nature qui soit à la hauteur de la vibration actuelle. Et donc tout est en train d'être transformé et restructuré, et c'est une libération énergétique qui est nécessaire et puissante, dont on a besoin, un, pour nettoyer l'énergie, mais aussi pour évoluer les consciences et pour prendre conscience de ce qui est vraiment essentiel pour chacun d'entre nous. La guidance est plus ou moins revenue. Hein. Pendant que je parle, ils reprennent possession, ils me font rire. Je vais les laisser parler plus longuement, du coup, je me tais, moi, Aurore. En fait, les incendies sont vraiment un cadeau, encore une fois, comme ce qui vient d'être dit, pour pouvoir repurifier, et c'est en fait faut le voir comme une page blanche, et ça va être restructuré. Et il va y avoir d'autres catastrophes naturelles, on vous l'a déjà dit, que ce soit au travers de feu, que ce soit au travers de l'eau, que ce soit au travers de l'air, il y aura encore plein de choses, ou de la terre, tous les quatre éléments, tout va se changer et se restructurer au fil des années. Ça va se faire tranquillement, mais ça va se faire et ça va s'amplifier parce que ça a besoin, encore une fois, j'entends le mot restructurer. Il faudra qu'on l'entende comme on veut parce que ça a l'air d'englober énormément de choses, mais je crois que je suis pas une porte-parole pour certains points plus précis. Je pourrais pas aller dans le détail sur cette guidance parce que c'est pas mon rôle. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est ça qu'ils veulent nous dire. C'est juste, je reviens sur la métaphore, vous savez, on est des petites fourmis, on est là, puis tout d'un coup, on enlève une plante, nous les fourmis, ah, il n'y a plus de plantes, au secours et tout. Mais le jardinier, lui, il fait, ben oui, mais c'est parce que je vais mettre un truc 10 fois mieux après. Et en fait, il va y avoir une renaissance de la Terre qui sera magnifique et voluptueuse et qui sera splendide. Et tout ça, en fait, est parfaitement orchestré quelque part. Il y a un ordre là-dedans. Merci. Excuse-moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la série Kaamelott avec Léo Dagan. On crame tout pour partir sur des basses scènes. Ah, je connais pas ces Une métaphores, petite voilà, c'est réplique, ça. ça tombe. Donc voilà, c'est un peu l'idée, les gars. Ça va aller, ça va bien se passer. Alors, j'ai une question de Jinsen qui demande, est-ce Dieu ou le Big Bang qui a créé la Terre, le Soleil, la Lune, tout ça. Je trouve la question chouette. C'est rare quand on a des réponses très précises là-dedans en channeling, par d'autres channeleurs qu'on a connus sur Nuria. Tu peux me la redemander, je ne sais pas si je vais réussir à canaliser Ouais. ça. Est-ce Dieu ou le Big Bang qui a créé la Terre, le Soleil, la Lune? C'est une question d'énergie, c'est l'énergie d'amour qui a tout créé. Il n'y a pas à mettre de projection là-dessus, c'est encore plus complexe que cela, mais vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ou alors, moi je vérifie, c'est pas moi qui suis prête à le dire peut-être, mais la vérité est encore autre, mais on n'est pas prêt à l'entendre de ce que moi je capte. C'est plus complexe que ça. Mais c'est une énergie d'amour qui a tout créé. Mais c'est plus complexe. Ok, l'amour est À prendre avec partout. des pincettes, hein, encore une fois. Écoute, Voilà, l'amour, ça pardon. revient Je dis ce tellement de que je fois. capte. Et des fois, on nous dit, oui, mais pour être heureux, sois dans l'amour, ne t'énerve pas, ne sois pas dans la haine, essaye d'être le cool, tranquille, détendu. Ça veut pas dire que tu dois tout accepter non plus, mais Non, prendre au les contraire. choses, voilà, le problème, c'est pas le problème, c'est ta réaction face au problème. Et Exactement. c'est plutôt dans ce sens-là. Exactement. Et les gens disent, oui, mais c'est trop simple. Mais Mais non, en fait, c'est super complexe d'arriver à le faire. C'est pas trop simple. Si c'est trop simple, bah, en fait, on serait dans l'amour et on serait heureux. Donc, on se dirait, bah ouais, c'est trop simple. Et c'est vrai, quelque part, c'est simple. Et en même temps, c'est pas si simple d'y arriver. Là, c'est Aurore qui parle, hein, je vous précise. Oui. Pour moi, j'aime bien l'image de, on est une boule de couleurs, tu vois. Bah, je vois les pastels là du bouquin, ça me fait penser à ça. Tu vois, quand t'es dans la couleur rouge, t'es dans l'amour. Quand t'es dans le bleu, t'es un petit peu dans la colère, dans la réticence. Et en fait, quand on te dit sois dans l'amour, c'est vibre cette couleur-là en toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es vraiment en paix avec toi-même. Et je reviens bien sur avec soi-même, c'est pas selon les événements extérieurs. Les événements extérieurs, c'est des ricochets de le rapport à nous-mêmes. À partir du moment où on est en paix avec soi,
qu'on s'aime profondément, il n'y a même plus de problème à dire non, à dire stop. On n'a même plus besoin d'être en colère parce qu'on est juste en paix. Et ça, ça demande, à mes yeux, un gros nettoyage intérieur sur nos croyances, notre transgénérationnel, le karma, les vies parallèles, tout ce qu'on veut, l'énergétique, l'émotionnel. Et c'est à force de purifier, de purifier, de purifier, que du coup, notre élévation de conscience, elle arrive et qu'on finit par se reconnecter à notre moi profond qui est notre âme. Et notre âme n'est fait que d'amour puisqu'elle est en lien avec la source et qu'on est un et que la source, c'est nous et que nous, on est la source et que tout ça se répond. Et donc, ça veut dire tout ça, vibrer l'amour. Mais pour moi, personnellement, vibrer l'amour, ça m'a pris 10 ans à faire plein de thérapies, des machins, à comprendre que j'avais un Rubik's Cube dans le cerveau et qu'il fallait que je refasse les faces, tu vois. Moi, ça m'a mis du temps et c'est encore chaque jour un travail. Donc, c'est très simple à dire, je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Et là, chacun, avec son prisme, le comprendra différemment, tu vois. Et c'est un parcours, après, c'est notre choix. Et puis, c'est peut-être pas une règle. Moi, personnellement, c'est une règle qui m'inspire et qui maintenant me plaît, mais... elle n'est peut-être pas valable pour tout le monde non plus, hein. C'est possible, j'en sais rien. Je pense que chacun a son parcours, chacun sa vérité, et chacun son expérience d'âme aussi. Et on a notre libre arbitre. On y revient. Bon, j'ai une question de Capuche. Déjà, coucou Capuche, merci beaucoup pour ta participation à l'émission sur vos témoignages extraordinaires. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez quelque chose d'un peu dingue ou bizarre, étrange, vous nous envoyez donc une vidéo, vous vous filmez, vous l'envoyez à contact@nurea.tv, voilà, par WeTransfer. Pour intégrer les prochaines émissions. Donc, merci à tous les participants, merci pour votre confiance à Nuria TV. Donc Capuche qui a cette question, et je l'adore, forcément, c'est un thème que j'aime bien. Qu'en est-il de la présence extraterrestre dans l'univers et sur Terre? Qu'en est-il? Je ne comprends pas la question. Qu'en est-il de la présence? Est-ce qu'il y a des informations? Est-ce que les guides que tu canalises auraient des informations à nous donner sur la présence possible d'êtres extraterrestres, d'êtres exogènes dans l'univers, mais aussi sur Terre? Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Ils sont là et ils seront toujours là. Je n'ai pas de bilan. C'est un peu trop court. C'est un peu trop court pour Nuria TV. Alors, est-ce que... Ils veulent développer, ou alors repose-moi une question derrière, mais là, c'est ce que j'ai entendu. Non, mais c'est très bien, non, mais puis je leur parle à eux, c'est trop court là, ouais, dis donc. En fait, ils se marrent, ils sont... Non, on répondra pas plus, ils rigolent, ils me font trop rire, je sais pas pourquoi ils rigolent comme ça. Mais parce qu'en fait, ouais, je sais pas, enfin, je vais me taire, moi, mais... Oh non, vas-y. Enfin, moi, c'est Aurore qui vais parler, alors, parce qu'attends, je vérifie la guidance, attends, je me centre bien et je redemande quand même. Non, je l'entends, ils n'ont pas plus de choses à dire là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, l'être humain est extraterrestre déjà. Donc, c'est quoi extraterrestre, hors de la Terre? Ça veut dire quoi? Les extraterrestres, ils sont partout. Ils sont sur Terre, ils sont dans la Terre, ils sont dans d'autres dimensions, ils sont dans les énergies, ils sont avec nous tout le temps. Mais pour moi, moi-même, je me sens extraterrestre. Pour moi, l'humanité est extraterrestre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce mot, tu vois? Et là, je pense que ça dépend chacun de notre niveau de conscience, de ce qu'on y voit, de ce qu'on entend. Mais ça fait un, tout ça. Pour moi, la source, c'est extraterrestre, tu vois. Enfin, tout est extraterrestre. Ok, oui, à ce moment-là, oui, voilà. C'est vrai que tu ne te poses pas trop de questions, tu as validé ça. Ouais. Nous, on se pose toujours la question, où sont-ils, quoi. Et on visualise les extraterrestres comme une autre forme de vie intelligente. Mais c'est le cas, il y a aussi d'autres formes de vie intelligente. Je reviens sur les éditions Atlante, il y a pas mal de livres qui parlent de tout ça, donc oui. bien mieux que moi, donc je laisserai les experts. On en a aussi beaucoup parlé sur Nuria TV de ces émissions-là, voilà. Mais j'adore cette question, comme si c'était la première fois que je l'entendais, puis je sais qu'il y a beaucoup de Nuriens qui nous rejoignent petit à petit, qui s'abonnent, voilà. Et qui découvrent, donc pour eux c'est la première fois qu'on pose cette question à quelqu'un qui fait du channeling. Donc... Ah oui, qui n'est pas du tout là-dedans, alors du coup, tu vois, ma réponse a été genre, flop. Voilà. Alors, autre question. Alors, on verra si ils ont un complément pour Max Hobbs. Donc Max qui demande question. On nous parle beaucoup d'aptitudes nouvelles. Comment peut-on accélérer cela? Méditation, stage Reiki, nettoyage énergétique. Pour le moment, RAS. Voilà, il n'a pas rien à signaler. Il n'a pas eu lui de précision sur cette information. C'est vrai qu'on a entendu plusieurs fois sur notre média de personnes qui nous disent. Que petit à petit, l'être humain va avoir, par exemple, les capacités que tu as ou les médiums, les voyants, finalement, beaucoup d'autres personnes vont les avoir. Et pas forcément ceux qui naissent aujourd'hui, mais même ceux qui sont déjà là, mais pour qui ça va se déclencher
plus rapide. Enfin, ça va se déclencher. Mais d'ailleurs, ils en parlent dans le livre Espoir. À un moment donné, les dons vont se réveiller. Et en fait, c'est tout à fait le cas. Et moi, je le vois autour de moi, tous les gens que je rencontre. J'ai presque envie de dire presque à ma présence qu'ils deviennent tous médiums. C'est hallucinant. Je ne connais pas une personne qui n'est pas médium. C'est dingue. Et qu'ils n'étaient pas forcément de base. Et en fait, on a tous du magnétisme et on peut tous être guérisseurs et on fait tous des rêves et on fait tous des voyages astro la nuit. On s'en rappelle pas. En tous les cas, on les fait. Et on a tous ces capacités-là. Et comme le niveau de conscience augmente avec la vibration de la Terre qui augmente, si on fait le cheminement pour s'alléger de tout notre poids et de notre conditionnement, on va accéder à ces nouveaux champs de conscience si on le souhaite. Et puis, je pense qu'on a été très nombreux enfants, quand on était enfant, à voir des choses, à entendre, et on les a vite oubliés, ces dons-là, alors que peut-être qu'ils ont toujours été là, et qu'en fait, encore une fois, le conditionnement fait que. Mais pour moi, tout être humain est médium, est guérisseur, et on devrait tous pouvoir s'auto-guérir, se téléporter, traverser les murs, faire je sais pas trop quoi, tout ça est tout à fait possible. Mais c'est à nous de s'en donner les moyens. Mais ouais, moi aussi, j'adorerais, tu vois. Mais c'est une question, encore une fois, peut-être de croyance, de vibration, de ce à quoi on croit. Il faut en avoir envie. Et puis, je pense, encore une fois, qu'on a un chemin de vie, qu'il y a des choses, encore une fois, si elles sont écrites, on n'a peut-être pas besoin tous de vivre tout ça. Mais en tous les cas, c'est sûr que ça se développe et qu'on perçoit de plus en plus des choses subtiles parce que si notre niveau de conscience se subtilise, bah forcément, ça va arriver. Mais ça, c'est à nous de le faire. Ok. Là, c'est Aurore qui parlait. Oui, oui, merci à chaque fois de préciser. C'est vrai que on a connu d'autres channelers qui ont carrément la voix qui change, donc c'est beaucoup plus facile de capter. Tandis que toi, c'est... Là, c'est Aurore qui parle. Je fais pas vraiment du channeling. Si tu veux, faut me le dire à ce moment-là pour que je demande au guide. Mais sinon, moi, je suis en mode, je parle, tu vois, je dis mes trucs. Mais si tu veux que ce soit la médium, faut juste me le préciser. Ah, mais d'accord, c'est pour ça. Quelqu'un a demandé, est-ce que Aurore va faire du channeling? Et pour moi, t'en faisais déjà. Mais en fait, c'est pas encore tout à fait ça. Plus ou moins, mais ça dépend. C'est là, des fois, je dis, je demande au guide. Je précise parce que la réponse peut être différente. J'en sais rien, moi, de ce qu'ils vont dire. Donc, si vous voulez que je réponde que en channeling, à ce moment-là, je me tais profondément et je laisse la guidance parler. Il y a pas de souci. Non, mais tu vas pas avoir ta voix qui va changer. Non, ou moi j'ai pas ça. Ah d'accord. Ouais, moi j'ai pas ça. Ça m'a jamais arrivé. Très impressionnant, donc je te remercie. Ouais, c'est plus cool pour moi avoir en interview. Ouais. Moi je fais cool. Pas non, j'ai jamais. Allez, on enchaîne sur les questions. Donc encore une fois, là on est, on a bien avancé dans l'émission. Il nous reste encore une bonne demi-heure. Les amis, donc voilà, je vous fais un petit rappel, prenez ce qui vous parle, mettez de côté ce qui vous ne parle pas, si jamais cette soirée qui est vraiment la tête dans les étoiles, je vous ai prévenu en introduction, là c'est lâcher prise, l'instant de l'émission, on discute, on partage des infos, après l'émission, vous posez tout ça, vous prenez du recul, vous réfléchissez sur ce qui vous a parlé ou pas, ça se trouve, il n'y a rien qui vous a parlé ce soir, et ben c'est très bien, et vous avez le droit de ne pas avoir d'avis, ni pour, ni contre, ni voilà, détendez-vous, mais pendant l'instant de l'émission, moi j'aime bien être à fond. Donc je vous le dis, parce que des fois j'entends des trucs qui me parlent, allez savoir, je sais que le hasard n'existe pas, donc voilà, je laisse le flot de l'information arriver, et voilà. Et même vos questions, certaines que j'aurais pu poser, comme celle de Capuche, je te remercie, je pense que j'irai penser pendant l'émission quand même à cette question sur les aliens. D'ailleurs Capuche qui te dit merci pour la réponse, à chaque fois les médiums et les guides sont très discrets sur les réponses par rapport aux extraterrestres, avec un petit smiley qui rigole, cool. Il dit mais oui. Donc on veut savoir, ils sont où? Ils se marrent en plus, ils se marrent. Je sais pas pourquoi ils rigolaient tout à l'heure, non, on dira pas plus, ils sont morts. C'est pour ça qu'on est pété de rire aussi, on l'attendait. Je pense que Capuche rigolait aussi de son côté, moi je rigolais, là-haut ça se marre. Allez, dites-nous, est-ce qu'ils vont arriver sur la place publique un jour ou l'autre? Les mêmes gens que nous, c'est nous. Et ils sont déjà là, on peut les voir, il y en a qui les voient, il y en a qui les entendent, ils sont déjà là. Ouais, mais on aimerait un truc plus ouf, quoi. Plus... Ouais, mais je crois que de l'ensemble de nous tous, on est prêts à le recevoir. Il y en a plein, tu leur parles de ça, ils sont pas prêts. Hein. Nous, ça nous fait rire, mais oui, moi, tu m'aurais fait vivre ça il y a 10 ans, j'aurais pété un câble, hein. Je serais devenue folle. C'est vrai, chaque chose en sautant, donc on va attendre les copains, les amis. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien voir quelque chose de très concret. C'est déjà là et c'est possible de les voir. Mmh. Et de là à manger avec eux le dimanche en repas de famille, c'est pas encore pour demain. Écoute, tu sais, ils sont là avec nous ce soir, hein, donc maintenant je vais répondre aux questions, ce sera plus moi qui parle, ce sera eux, ils sont en train de bouffer des chips avec nous, tu vois, ils boivent une bonne bière. Mais oui, voilà, c'est le genre de questions, comment ça se passe de l'autre côté, vous faites
quoi là, genre tout de suite, debout, assis, et quoi, un corps, pas de corps, du coup, Non, il y comment a vous... tout ça, il y a tout ça. Il y a tout ça. Une fois, il m'avait dit, on est en forme de couleur là, dans cette dimension-là, c'est de la couleur. Je fais, ah ouais, c'est génial, c'est de fou. Donc là, tu veux, je leur demande, attends, la source. Ils disent, il y a des questions plus importantes que ça là qui arrivent. Oui, je Revenons aux sais. choses sérieuses. J'en ai Donc sous là, les yeux. ils recadrent là. Ils font, non, non, attendez, Ah bah on se ça c'est pas recentre. drôle. Ça c'est pas cool. Des fois faut être aussi un petit peu humain, quoi, descendre en vibration et blaguer un peu. Alors, oui, effectivement, il y a pas mal de questions très intéressantes, très profondes. Je vais enchaîner directement par bah tiens, l'écran a bougé. Je vais laisser faire le hasard. Alors, voilà, Romy, que tu es arrivée sous mes yeux. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Romy, bonsoir. Selon les guides d'Aurore, va-t-on assister d'ici la fin de l'année à la fin de cette ambiance un petit peu étrange? Sachez que, les amis, sur Nuria, et c'est un choix de ma part, et tu comprendras, Romy, pourquoi j'ai pas précisé ta question. Mais c'est parce qu'on fait pas de politique ou d'industrie pharmaceutique, tout ça, voilà. Sérieusement, s'il y a quelque chose que pour moi je trouve encore plus compliqué que les aliens, c'est bien la politique. Donc merci, mais J'adore cette phrase. ça va aller. Ah oh oui, non, là. C'est dit, c'est des séries Netflix en ce moment. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Mais cette fin d'année, parlons plus précisément, on en a parlé un petit peu quand même tout à l'heure, il y avait une question là-dessus, mais là voilà, le flow du chat fait que je retombe sur cette ambiance de fin d'année. Ces choses horribles qui peuvent arriver à gauche et à droite sur notre planète, il y a des fois on se dit oui, mais si on évolue, et si c'est censé, on est censé aller mieux, être dans l'amour, et que finalement on suit cette évolution plutôt positivement, et d'ailleurs ça les a étonnés à un moment de la rapidité à laquelle on allait, dans ce bon sens selon eux. Est-ce qu'il va y avoir un moment où sur cette planète, ça sera, il fera bon vivre, mais vraiment pour un maximum de monde, où il y aura toujours une séparation entre les personnes, que ce soit économique, sociale ou autre, aussi grande que ce qu'on vit en ce moment? Je laisse la source répondre. Faut comprendre que sur cette planète, on est là pour faire des expériences. Si on fait tous la même expérience, il n'y a plus d'expérience, il n'y a pas de raison de s'incarner. Le piou-piou des oiseaux, il est quelque part dans certaines dimensions de l'autre côté. Quand on vient sur Terre en tant qu'âme, c'est pour apprendre des choses. On ne peut pas apprendre sans dissonance. C'est parce qu'il y a un contretemps qu'on comprend le temps juste. C'est parce qu'on vit cette dualité de cette terre-ci que l'on peut grandir. Donc il n'y aurait aucun intérêt à ce que cette planète devienne totalement pacifique ou dans une harmonie. En revanche, la façon dont vous pouvez vivre l'harmonie les uns les autres dépend de vous et de votre libre arbitre à chaque instant. Et cette harmonie peut être vécue dès maintenant. On vous rappelle, on vous l'a dit tout à l'heure dans la guidance, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Tout se passe en vous et c'est seulement en vibrant en vous la paix que vous recherchez qu'alors la paix pourra s'incarner et s'installer sur cette planète. Mais tout le monde n'est pas là pour vivre la paix. Il y a des âmes qui ont besoin d'expérimenter la colère, il y a des âmes qui ont besoin d'expérimenter la maladie, il y a des âmes qui ont besoin d'expérimenter la souffrance pour qu'ensuite ils apprennent l'amour, la joie, la santé et prendre conscience de la valeur de chaque chose. C'est ça qu'on vient expérimenter sur Terre. Donc, ça ne servira à rien d'avoir un monde qui soit totalement uniformisé, puisqu'il n'y aurait plus rien à expérimenter. Ok, donc est-ce que c'est un petit peu comme dans l'idée d'un plateau de jeu, bah, si là c'est un grand terrain de jeu, d'apprentissage, d'expérience, qu'on serait donc sur cette planète, une planète difficile, qui restera compliquée, parce qu'elle est là À nos pour yeux, incarner... Je... en tant que guide, cette planète n'est pas difficile, elle est extraordinaire et magnifique, car on peut y venir expérimenter une densité qui n'existe pas forcément sur d'autres planètes. Et cette densité est très intéressante pour nous, les êtres ou les âmes ou toutes les énergies qui viennent s'incarner sur Terre, parce que c'est ça qui nous fait grandir et évoluer, et après on s'en sert dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères et dans la suite de notre parcours de vie multidimensionnel que nous ne développerons pas ici. Mais pour nous, de nos yeux de guide ou d'extraterrestre ou d'ange ou le mot que vous souhaitez, nous qui sommes de l'autre côté, qui communiquons ce soir, nous trouvons cette planète merveilleuse et magnifique comme elle est. Elle n'a pas besoin d'être modifiée. Par contre, la façon dont vous l'expérimentez peut être modifiable et ça vous appartient. Donc le but, c'est d'essayer de vivre sur cette planète que vous trouvez magnifique et qu'on trouve quand on y est
et qu'on est en plein dans le jeu assez compliqué, c'est d'essayer de trouver l'équilibre, l'harmonie et l'amour malgré tout ça. Parce que c'est finalement. Parce qu'il y a tout, oui. C'est parce qu'il y a tout ça que vous pouvez trouver l'équilibre et l'amour. S'il n'y a pas quelque chose de gris face à vous, comment voulez-vous découvrir la valeur du rose? C'est parce que vous voyez des choses qui vous paraissent affreuses que vous voulez prendre soin derrière. Sinon, vous n'en auriez pas conscience, donc vous n'en feriez pas l'expérience. C'est la fameuse dualité de cette planète-ci. Et vous pouvez faire l'expérience aussi bien d'un côté que de l'autre côté. Vous pouvez faire aussi bien l'expérience de la peur que de l'amour. Et cette expérience, c'est à chaque seconde qu'on vous l'offre. Merci beaucoup. Audrey qui demande, selon le fameux libre arbitre, comment on choisit de vivre ce qu'on vit? Comment ça se passe ce choix? Comment ça se fait avant de s'incarner? Ah, avant de s'incarner? Oui. Parce que certaines personnes vivent des choses compliquées quand même. Si je leur demande s'ils veulent bien répondre, j'entends non. Alors je ne sais pas si c'est lié, si c'est parce que c'est moi. Tu peux me redire la question? Alors écoute, tu l'as formulé différemment. Le fameux libre arbitre fait qu'on fait nos propres choix. Donc comment on choisit de vivre ce qu'on vit, quand parfois ça peut être compliqué. Si on a un libre arbitre, et comment on peut choisir de vivre ce qu'on vit quand ça devient compliqué? Peut-être même là, même pas en parlant de mais avant en fait, de s'incarner. De ce que j'entends, c'est ça revient à ce qu'on disait précédemment, vous avez le choix à chaque instant, c'est le parcours de la vie. Comment je réagis à une situation? Elle est compliquée parce que vous portez un regard compliqué là-dessus. Et parfois, cette notion de c'est compliqué dans un niveau humain, au niveau de l'âme, ce n'est pas compliqué, c'est une expérience. L'âme n'a pas de jugement. C'est le mental qui juge et qui ment. Mais l'âme, non. Elle expérimente et elle vit. Et si vous êtes connecté profondément à votre âme et à votre cœur, il y a toujours une source de joie et d'amour, puisque tout n'est fait que de joie et d'amour. Et c'est à vous de revenir encore une fois dans ce centre, dans le temple de votre corps, de revenir dans votre énergie profonde, de vous reconnecter à votre être véritable, que là, vous touchez à l'amour qui n'est autre que la source, puisque tout n'est qu'un. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ok, merci et beaucoup. Nous savons que c'est compliqué à comprendre. Nous comprenons très bien cette façon que vous avez, vous, quand vous l'expérimentez, puisque vous êtes en train de vivre une souffrance. Nous ne nions pas la souffrance, mais vous pouvez réagir autrement face à elle. Ok, merci. Et là, j'en reviens à l'exemple d'Aurore. Quand elle n'a pas aimé ce qu'elle vivait, elle a changé. Tu as donc changé, voilà, tu as fait un autre choix. Ouais, j'en ai marre d'avoir peur, allez, choisis la mort. Pourquoi parfois, justement, les transitions peuvent être très difficiles et d'autres fois plus faciles? Quand on fait le choix que ça tu dépend, as fait. Ça dépend, pardon, là tu parles au guide, hein, on est d'accord? Oui, oui. Oui, oui. Mais en prenant ton exemple, par exemple, pour toi, ça a été très difficile quand tu as choisi finalement de dire non, c'est pas la vie que je veux, je vais changer. Puis t'as quand même vécu un tsunami pour vivre autre chose, passer cette transition. Et pour d'autres, ça va être plus doux. Parce qu'on est très éloigné de ce qu'on devrait faire et du coup, il faut un gros coup de nettoyage. Là, de ce que j'entends, c'est parce que Aurore ne nous a pas entendus et elle n'a pas écouté son instinct, son intuition. Elle ne s'est pas respectée ni écoutée pendant des années alors qu'elle avait le choix de le faire. Et ça, c'est vrai, tu vois, là, c'est Aurore qui reprend la parole. J'ai eu plein d'événements de vie, j'ai eu plein d'opportunités, j'ai dit non à chaque fois parce que j'avais peur. Si j'avais dit oui, mais ma vie, elle aurait été splendide tout de suite. Mais moi, j'étais dans mon mental, dans mes peurs, dans mon ego. J'avais peur de tout et donc je me suis mis des bâtons dans les roues aussi. Et c'est juste que j'étais tellement à contre-courant qu'au bout d'un moment, la vie, elle fait bon, bah là, tu cherches tellement la merde que tu vas l'avoir, quoi. Mais c'était mes choix à moi, parce que moi, je n'étais pas consciente de ça, parce que moi, j'étais dans ma peur. Et du coup, j'ai fait des mauvais choix. J'en ai fait plein, 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 plein. Donc, de ce qu'ils viennent de dire, c'est j'avais carrément le choix. Et là, j'ai plein de flashs d'événements de vie où je me dis, bah ouais, carrément, là, si j'avais dit oui, ce ne serait pas pareil. C'est clair et net. Est-ce qu'ils pourraient nous donner des exemples de ce qu'ils font pour nous contacter et nous guider? Parce que des fois, ils doivent vraiment prendre la tête à hurler, limite. Il faut aller à gauche. À gauche, on t'a dit. Comment ils font? Nous sommes toujours près de vous. Il n'y a pas un instant où on n'est pas là.
Comprenez qu'on est une énergie et qu'on est un, qu'on est tous réunis. Imaginez, vous êtes une goutte d'eau dans un bassin, on est là dans le bassin avec vous, et c'est une danse qui est éternelle. Donc on est un, on est tout le temps là. Il y a plein de façons pour nous de communiquer avec vous. Ça dépend à la fois du chemin de l'âme de la personne, de ce qu'elle est prête à entendre et à recevoir, et de sa demande aussi. Nous adorons les guides quand vous nous demandez des choses, parce que du coup, vous nous ouvrez la porte, puisqu'il y a le respect du libre arbitre. Si vous ne nous demandez rien, on ne pourra pas agir autant qu'on peut le faire quand vous nous le demandez. N'hésitez pas à poser tout type de questions à nous les guides et on vous répondra. Mais on vous répondra pas forcément sous forme de rêve, sous forme de sensation, sous forme de médiumnité. Parfois, ce sera sous une façon d'une rencontre hasardeuse. Ce sera sous la forme d'une lecture, d'une synchronicité, d'une heure miroir, mais aussi tout d'un coup d'une intuition qui vous vient. Tiens, si j'allais là-bas, c'est à la fois l'âme et nous les guides qui vous poussons. Et il n'y a pas un instant où on n'est pas là pour vous guider. On est tout le temps là, à chaque instant. Tout le temps. On vous guide beaucoup plus que vous ne l'imaginez, mais vous n'avez pas non plus toujours besoin de le savoir, parce que la vie, elle se passe aussi sur Terre et pas toujours avec nous. Et que quand on expérimente, c'est important de pouvoir expérimenter seul. Et là, nous faisons la métaphore d'un enfant. Si vous voulez voir un enfant qui apprend à gambader, il ne faut pas que le parent soit toujours derrière. Pourtant, le parent surveille. C'est un petit peu la même situation. On vous laisse aussi expérimenter, parce qu'on a foi en vous et parce que votre âme, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Et nous, on est là pour aider de temps en temps, mais on ne vous laissera pas vous faire plus de mal que nécessaire. Ok, C'est merci beau. beaucoup. C'est beau. Ouais, c'est cool. Mais est-ce que leur expérience, au final, à eux, c'est de faire ça, en fait, comme une sorte de métier? C'est enfin, pas de métier, mais comment dire? Est-ce qu'ils évoluent avec cette expérience de nous aider? Oui, nous évoluons quand nous vous aidons, mais c'est très complexe parce que, encore une fois, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs formes de guidance, il y a plusieurs formes de guide. Nous-mêmes, nous avons un chemin d'évolution de l'autre côté, et nous-mêmes, nous avons à grandir, mais nous sommes multidimensionnels, mais nous en avons conscience, contrairement à vous qui avez oublié que vous l'êtes. Nous avons accès à tout en même temps. Donc, il y a des nuances qui sont difficiles à exprimer ici, mais nous-mêmes, nous avons évolué. Et oui, ça nous apprend. Ça nous apprend énormément de vous observer, mais c'est propre à chaque, enfin, chaque guide a une expérience différente. Mais nous, ça nous fait grandir de voir un être humain qui vit des expériences, ça nous apprend sur l'expérience de la vie et ça nous renvoie ce que nous sommes aussi. C'est en ça que vous êtes autant à notre service que nous sommes le vôtre, enfin, à votre service. Ça va totalement ensemble. D'accord. Travail d'équipe. Ouais, c'est beau. Makis Tador, qui demande. Makis Tador, un scientifique, donc qui demande. Les guides pourraient-ils préciser à un pauvre scientifique quelle est leur notion de dimension? Avec des mots qu'on pourrait comprendre. Ou une image. En fait, j'ai une image, mais alors je vais leur demander des mots parce que moi j'entends décris ce que tu vois déjà. C'est comme si. Putain, c'est chaud, aidez-moi la source. J'ai une forme, tu sais, où c'est comme un diamant avec plein de. Ah bah tiens, voilà, je vais te montrer, je ne sais pas si tu vois une image, mais on ne voit rien là. T'as un diamant et dedans, t'as plein de petites formes. Selon l'angle où tu es, c'est une dimension parmi tant d'autres. Tu as la dimension grande, mais tu as le petit point qui est dans une autre dimension. Puis tu as un autre angle de vue sur une dimension qui est là. Et ça, c'est le multidimensionnel. Imaginons ça, c'est le grand tout. Tu vois? Tu fais l'expérience de tout ça là-dedans. Imaginons c'est l'univers infini, ça représente ça. Et bah, tu fais plein d'expériences. Tu fais l'expérience du grand large, tu fais l'expérience d'un point, tu fais l'expérience de la moitié. Tout ça, ce sont des dimensions différentes. Je leur laisse la source développer. Il y a une phase où on n'est que énergie. L'énergie, elle n'a pas de forme. L'énergie, elle est partout. Et on peut être partout à la fois. C'est très compliqué de le comprendre avec un cerveau rationnel ou un cerveau même humain, parce que dans la troisième dimension, nous ne voyons pas ce genre de choses. Mais quand vous êtes hors de votre dimension, vous êtes en réalité des êtres multidimensionnels. Ça veut dire que vous êtes partout à la fois. Vous pouvez être au même instant, dans plein d'endroits en même temps. Il y a plein de dimensions qui. Parfois, là j'ai un flash où il y en a une, mais dans celle-là, il y en a une autre. Enfin, c'est très compliqué pour nous, donc c'est pas quelque chose qu'on peut voir avec notre œil.
c'est quelque chose qui est impalpable et qui est... voilà, ils me font faire ça, c'est très clair. Oui. Mais voilà. Je pense que Maquistador voit ce dont tu parles. S'il s'intéresse aux dimensions multiples, au multivers, à l'univers miroir, tout ça, si, je vois ce que tu veux dire. Donc oui, merci beaucoup. Et les multidimensions sont aussi parfois des sons. Le son est une réalité. Et ça aussi, c'est une, on pourrait dire, une valeur ou une échelle de mesure que nous avons, nous, quand on est de l'autre côté. Il y a le son, il y a la lumière, il y a les vibrations. Tout n'est pas solide comme vous le vivez sur Terre. C'est autre chose. Donc, ça aussi, c'est multidimensionnel. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour vous à le comprendre parce que vous êtes dans une dimension de 3D. Donc, vous ne pouvez pas comprendre quelque chose qui est en. Un milliard de dimensions. C'est quelque chose de compliqué à expliquer. Mais vous le comprenez très bien de là où vous en êtes et vous n'avez pas besoin de tout savoir non plus parce que l'être humain vient faire une expérience terrestre. Il n'y a pas besoin de tout savoir de l'autre côté. Vous vous en souviendrez bien assez quand vous ne serez plus dans cette vie-ci. Comment ça se passe, la transition entre deux vies terrestres? Y a plusieurs chemins. Encore une fois, le libre arbitre existe aussi de l'autre côté. Ça dépend du niveau de conscience, ça dépend de ce que l'âme choisit de vivre et ça dépend de là où elle souhaite aller. Il y a tellement de réalités possibles qu'il y a une multitude de chemins derrière possibles. C'est quelque chose qui se vit, mais vous n'avez pas forcément besoin de le savoir davantage, mais il y a trop de chemins. Il faudrait 1 milliard d'années pour expliquer le nombre de chemins qu'il y a. J'adore cette phrase. Ils me font trop rire. Ouais, je m'engage pour 1 milliard d'années d'explications. Allez. Allez, c'est parti. Ils sont trop drôles. Tu as répondu à la question, parce que moi, j'ai pas tout entendu de ce qu'ils ont dit, Non, mais merci. oui, qu'en fait, y a plein de choses qui se passent dans cet entre-deux-vies, et voilà, il y a plein de voies possibles dans cet entre-deux-vies. Et voilà, il faudrait 1 milliard d'années Voilà. pour pouvoir expliquer tout ce qui est Merci. possible de faire dans cet entre-deux-vies. Frustrant comme réponse. Merci pour la réponse, hein, bien sûr, là-haut, mais très frustrant. C'est une question de vibration de l'âme aussi, selon là où elle en est dans son chemin et dans ce qu'elle a encore à apprendre et évoluer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite, en fait. On ne peut pas vous répondre en une fois parce que, encore une fois, c'est multidimensionnel et c'est selon le nombre d'humains qu'il y a. Donc, chaque parcours est différent. En tous les cas, c'est une question de vibration, c'est une question d'apprentissage et c'est une question de libre arbitre et de choix de vie de l'autre côté. D'accord. Est-ce qu'il pourrait nous donner une info sur le temps, la notion du temps qu'on a sur Terre par rapport au temps qu'il y a dans cet Déjà, j'entends entre-deux que. vies? Déjà, avant même que tu aies parlé, Oui. j'ai entendu le temps n'existe pas. C'est une notion linéaire qui a été inventée par l'esprit humain, mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre conscience. Quand on est de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Le temps est, encore une fois, multidimensionnel, donc le temps est un. Le temps est partout. Le temps est une question de distance ou d'espace, mais ce n'est pas une question linéaire comme vous le voyez. Enfin, le temps n'est pas, en fait. C'est une notion qui n'existe pas de notre côté. Est-ce qu'on peut donc vivre cette vie-là, en même temps vivre une vie dans le futur ou dans le Tout à fait. passé? Tout à fait. C'est ce qui se passe. Vous vivez tous une multitude de vies au même moment, dans différents espaces-temps et dans différentes dimensions, et tout cela se vit au même instant, et tout ça ne fait qu'un. Et en fait, vous avez l'impression de faire une expérience dans un temps donné, mais en réalité, toute cette expérience n'a pas de temps, et elle se vit déjà en un temps. Ça ne veut rien dire, j'ai rien compris à ce que j'ai dit, mais c'est bon, c'est ce que j'ai entendu. On te laissera mettre le replay, Aurore. Ouais, grave, je vais réécouter la soirée parce que là, j'entends rien et c'est pas grave. Est-ce J'ai qu'ils une ont... image, tu sais, j'ai une image de. C'est rond en fait, encore une fois, le temps, c'est ça, quoi, c'est rond. Tu vois, par exemple, là, c'est plus ou moins Aurore et un peu les guides. Imagine, tu as le temps de ce point-là et le point-là qui vit là. Il se dit, mais moi, je suis dans un temps et le temps d'aller chez toi, elle est là. Oui, mais moi, je suis déjà là, je suis dans le même temps en fait. Et finalement, le temps n'est qu'un, c'est ça le temps. Donc c'est pour ça qu'il n'existe pas. Je sais pas si ça complète ce que je viens de canaliser là, de vous montrer ça, mais c'est le flash que j'ai eu. Ça, c'est le temps.
Tu vois bien qu'il n'y a pas de temps qui passe, il n'y en a qu'un. Non, Tu vois le ouais. truc? Bah ouais, mais Et ben voilà, c'est c'est cette notion-là. ça fait saigner du nez, quoi, comme on dit quand ça commence à devenir un peu compliqué. Mais Ah, on c'est ouais, voit, c'est c'est. juste qu'on a du mal à se le représenter. Oui, mais parce qu'on n'en fait pas l'expérience ici Ouais. réellement, parce que, encore une fois, ils nous l'ont dit, vous faites l'expérience terrestre, donc restons sur Terre dans notre temps terrestre, avec le temps de notre vie, et qui en fait est une seconde dans le temps de la vie de notre âme. Mais je pense que c'est important, enfin, moi, c'est mon avis, de rester sur Terre et de vivre notre vie sur Terre, quoi. C'est ça qu'on expérimente, donc tout va bien, quoi. Oui, merci. Merci Marie, modératrice. J'ai vu cette question-là qui revenait de temps en temps et oui, je vais la prendre. Il faut qu'on en parle. Elle est arrivée tellement de fois. Je ne sais pas s'ils auront une réponse ou pas, mais que pense-t-il de ce qui se passe en ce moment sur les mutilations des chevaux? Ce dossier, je sais que sur Nuria TV, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passionnés d'animaux et d'amoureux des animaux et que c'est un sujet qui perturbe et inquiète beaucoup l'internaute et d'autres. C'est le résultat de vos choix et de vos expérimentations humaines. À vous de faire ce que vous souhaitez faire, de vous mettre en marche s'il y a des choses qui vous dérangent. C'est à vous d'être à l'heure. Ça fait partie de votre libre arbitre. Si cela est important pour vous de faire changer les choses, c'est que ça fait partie de votre mission. Si ça résonne, faites-le. C'est à vous de le faire. Mais c'est le résultat de l'expérience humaine du libre arbitre. Tout ce que vous vivez dans votre vie actuellement, sous toutes les formes, toutes les situations, tous sujets confondus, n'est que le résultat de tous les choix, les milliards de choix conscients et inconscients que vous avez faits depuis des générations et des générations. À vous d'augmenter votre conscience si vous voulez que la vibration change sur cette planète et que les expériences soient autres pour les générations futures. C'est à vous de vous mettre en marche. Ça n'appartient qu'à vous. C'est votre expérience, c'est votre choix. Vous faites ce que vous souhaitez. J'ai une question. Si cette planète monte en vibration, si on monte tous en vibration et qu'on change, les expériences qu'on fait sur cette planète ne seront donc plus les mêmes. Et à ce moment-là, il y aura bien quelque part ailleurs une autre planète où on fera où ces expériences-là qu'on vit nous seront possibles pour permettre à d'autres d'apprendre et d'évoluer. Finalement, il y aura toujours des endroits dans cet univers un peu plus complexes que d'autres. Alors, j'ai pas tout compris de la question. Écoute, on n'arrête pas de nous dire qu'on va monter en vibration, qu'on va monter Oui. en énergie, que la planète monte en énergie, en vibration, que c'est pour le Bien mieux, sûr. que ça va être plus cool de vivre sur cette planète petit à petit, ça demandera du temps, semble-t-il. J'entends, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà Ouais. plus cool si vous le souhaitez. Encore une fois, ça Oui. n'appartient qu'à vous de faire le cheminement. C'est ça, Je te ouais. dis ce que j'entends, mais c'est quand il vient. Je suis d'accord, on est déjà là-dessus. Mais apparemment, il faut aussi qu'on vive des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, comme ils le disent. Voilà, il n'y a pas vraiment de jugement là-dessus, c'est du libre arbitre. Et donc, si cette planète, elle évolue en vibration, en fréquence, les gens vont peut-être faire moins de bêtises, de choses étranges ou mauvaises, ou voilà. Et donc, il y aura toujours quelque part une planète quand même qui sera basse. Avec des vibrations très basses pour pouvoir expérimenter ces expériences basses en vibration. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est infini finalement. Là, une planète peut monter, évoluer et tout ça, mais en tant qu'âme, on a besoin d'expérimenter plein de choses. Donc finalement, on ne viendra pas s'incarner sur la planète Terre pour vivre une expérience très douloureuse, par exemple, parce que ce ne sera plus une planète où on vivra ce genre d'expérience douloureuse. Ce sera sur une autre. Mais il y aura toujours ce passage-là dans l'évolution d'une âme ou d'une énergie ou autre. Ce que je t'explique en fait, je sais pas si je suis claire, Alors, par mais ça. rapport au passage de l'âme, il y aura toujours une expérience d'évolution. J'entends non, pas forcément. C'est très complexe en fait. Bon, attends, je vais laisser la guidance parler sur tout ce que tu as dit. Merci beaucoup. Bon, j'ai dit c'est beaucoup plus complexe que ça, encore une fois. Il n'y a pas de notion de jugement dans toute expérience vécue. Nous vous le redisons parce que nous ne pouvons pas le dire autrement. Vous avez besoin de le entendre pour commencer à le comprendre. N'y a pas d'expérience douloureuse en soi. Pour l'âme, c'est juste une vibration. Pour vous, c'est une sensation, mais pour l'âme, c'est juste une vibration. Elle vient expérimenter.
Je demande, est-ce que la planète va évoluer pleinement? Elle évolue déjà. Elle va forcément évoluer. Et là, je leur demande, est-ce qu'il y aura toujours un côté un peu dissonant ou C'est ça. dû ou, Et s'il n'y est pas, ben, il faudra qu'on vive cette ça dépend. dissonance ailleurs. Mais ça dépend de notre champ de conscience. Encore une fois, c'est le processus de vie. Si vous souhaitez que la vie soit beaucoup plus amour, incarnez l'amour à chaque instant et ça le sera déjà. Dès maintenant, il ne faut pas attendre que l'univers évolue et soit mieux plus tard. Il peut l'être maintenant en une seconde. Si chacun d'entre vous décidait d'être pleinement dans l'amour et que vous le vivez vraiment, à ce moment-là, ce sujet n'est même plus. Mais tous les êtres humains n'ont pas envie d'être dans l'amour. Tous les êtres humains ne sont pas là pour cette expérience. Donc, la Terre va évoluer. Le champ de conscience de l'humanité évolue, la vibration évolue, elle s'adapte en fonction des circonstances extérieures des autres planètes et de tout ce qui se passe dans le système Solaire. co cosmique là. Mais encore une fois, l'être humain ne fait l'expérience de ce qu'il veut. Et quand vous vous incarnez, vous oubliez que vous venez de la source, vous oubliez cette énergie d'amour et vous avez tout un parcours de vie pour réapprendre à retrouver cette âme d'enfant qui est en vous. Ce parcours de réapprentissage, c'est le challenge que vous vous offrez dans votre vie. Mais tout le monde ne se donne pas les moyens de le faire sur Terre, pour plein de raisons. Et c'est OK. De notre côté, il n'y a pas de jugement là-dessus. Encore une fois, vous faites l'expérience de ce que vous voulez. Donc, voyez-le plutôt comme un champ expérimental que plutôt un désir de vouloir pacifier un monde qui finalement n'a peut-être pas besoin de l'être. Vous expérimentez, c'est tout. Je ne sais pas si ça a répondu, mais. Merci, merci, merci à eux, mais ouais, non, ma question n'était pas claire. Merci Pas Gandalf contente. le Gris qui s'est moqué de moi, il m'a dit, j'ai rien compris à la question de Nora. En fait, je me comprends très bien, moi, mais j'ai du mal à développer, Peut-être voilà, que tu donc. pourras la reposer tout à l'heure, si tu retrouves une autre façon de la poser. Non, c'était un peu ça, mais il s'approchait un petit peu enfin, il s'approchait un petit peu de ce à quoi je Non, mais. m'attendais, mais il manquait une petite partie pour moi. C'est quoi la petite Petite, partie qui une te petite manquait pour toi? cohérence, une petite cohérence justement dans tout ça qui serait très logique en fait. J'imagine que si cette planète elle continue à monter en vibration et que justement Donc là, je leur dis pas en fait que c'est pas j'entends bien de. déjà, Oui? non, mais j'entends déjà la source, elle dit la source de vie n'est pas logique. La logique, c'est cérébral, c'est mental, c'est humain, mais la vie n'est pas logique. Si vous comprenez cette règle que la vie n'a rien de logique, vous vous laissez tranquille et vous vous laissez vivre. Et là, vous lâchez prise et là, vous vous incarnez plus l'amour. Ne cherchez pas à être logique dans un monde qui n'a pas besoin de l'être. La vie ne l'est pas. La source de vie n'a rien de logique. Le monde, pas sur Terre, mais le monde en général, le grand tout, n'est pas logique. La logique est une façon humaine de comprendre les choses, mais c'est une énergie, une vibration, une compréhension qui est minuscule par rapport à la compréhension multidimensionnelle. Et nous comprenons très bien, nous les guides, que vous vouliez être logique, mais en réalité, notre réponse ne peut pas l'être si vous voulez une vérité, parce que cette vérité n'est pas logique. Il faut changer l'angle de vue. Enfin, on nous invite en tout cas. Non, pendant que tu me disais ça, j'ai changé justement cet angle de vue et je me suis dit, ouais, en même temps, vu comme ça, si la douleur, la peine est relative, peu importe de changer de planète ou celle-ci ou même une autre, ou même qu'il soit plus forte en vibration, si tu as envie d'expérimenter quelque chose qui te fait souffrir, bah, tu trouveras quelque chose, peu importe Mais c'est ça. le Des fois, level, le niveau. je me fais des blagues avec les copines. On imagine, ou avec les potes, on imagine, regarde, tu fais ton contrat d'âme et on présuppose qu'on a choisi notre mort. Ah, je me suis jamais fait écraser par un camion. Oh, vas-y, je me crée ça dans mon chemin d'âme, ça me fait trop rire. Ah ouais, t'as déjà été pendu? Non, j'ai jamais fait. Ah, attends, vas-y, on se le. Et tu sais, ça se trouve, pour l'âme, ils sont comme ça. On est mort de rire quand on est de l'autre côté, tu vois. C'est à quoi on va jouer? Qu'est-ce qu'on en sait? Tu vois, moi, des fois, je m'imagine ça, je me dis, ça se trouve, c'est ça qu'on fait de l'autre Mais côté. c'est ça, mais c'est pour ça qu'à chaque Oh, fois ça me sur les fait rire. questions sur l'entre-deux-vies, tu vois, c'est pas assez dans le détail. On a envie de savoir justement comment se passent ces Ouais. moments de discussion. Est-ce qu'on fait ses choix seul? Ou est-ce que là aussi, dans l'entre-deux-vies, il y a un coup de main de personnes peut-être plus sages qui vont nous dire écoute, tu t'es choisi une petite vie un petit peu cool, tranquille, tu peux expérimenter peut-être un peu plus. Je pense que tu as la capacité d'aller un petit peu plus loin sur ça, Ouais. sur ça. Ou est-ce qu'on fait vraiment ça en solo ou avec des potes ou on se marre, comme tu dis Demande.
Oui, je vois ça, Je je vais un peu m'attendais plus pas à ce que haut. tu demandes sur Mais ce. c'est... Bah ouais, on sait jamais. Attends, je peux tenter. J'entends, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tout cas, ça ne se décide pas seul. Pas du tout. D'accord. Il y a des paliers. Il y a même des sortes de... C'est quoi le mot? En fait, j'ai un flash où je vois une réunion, tu sais, où tu as 10 personnes autour de la table et qui font, tu sais, c'est un peu comme à l'école. Alors, Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, tu sais, il y a une sorte de, comment on dit? Conseil de classe. Voilà, un petit conseil de classe. Et là, j'ai une image comme ça où tu as des anges, des archanges, je sais pas quoi, qui sont en train de faire un conseil de classe. J'ai un flash comme ça qui m'est envoyé. Donc, ils me disent, voilà, le parcours de vie, le parcours d'une âme est encore une fois multidimensionnel et dépend aussi d'autres âmes. Ça ne se fait pas tout seul du tout. Et il y a un ordre logique, mais nous ne pouvons pas le développer ici ce soir. Ce n'est pas le propos. Et puis surtout, ce n'est pas le rôle d'Aurore. Il y a d'autres médiums qui font ça très bien. Ce n'est pas son rôle à elle. Chaque médium a des informations qui se complètent et il est important de les respecter. Elle ne peut pas répondre à ça. D'accord. Ok. C'est intéressant de le savoir. Écoute, ben, c'est comme Marrant. ça que je l'ai visualisé. C'est drôle. Écoute, ouais, vraiment, c'est pas mal. Dernière question, Aurore. Il est, ouais, ça fait bien 1 heure et demie qu'on est ensemble. J'ai pas envie, les amis, que la vidéo soit trop longue. Voilà, elle sera courte. Je vois qu'il y a énormément de questions. J'ai préféré prendre des questions beaucoup plus globales, universelles, qui parlaient à plus de monde. Et bien sûr, j'y suis allée de mes propres questions parce que je suis très curieuse de toi et justement de ces guides-là. Donc, je me suis aussi un peu lâchée. Merci beaucoup d'avoir répondu à autant de questions. Et je vois que sur le chat, que beaucoup ont partagé aussi mes interrogations comme je partage les leurs. Donc, vraiment, merci à vous. Et là, je vais finir par un commentaire que j'avais lu plus haut. Enfin, c'était une question. Et je trouve ça, effectivement, à chaque fois, quand on a quelqu'un comme toi qui a ces capacités de channeling, encore une fois, vrai, faux, j'en sais rien, voilà, on est dans un espace d'ouverture, les amis. Moi, je prends les infos, je les note, je verrai si je peux les comparer. Voilà, on est tranquille là-dessus. La question, c'était, ont-ils un message? Voilà. Là, on est en nos limites, hein, en timing. S'il est long, il est long. Mais pour tous ceux qui regardent cette émission, qui vont la regarder en replay, voilà, toutes les personnes connectées via ce média-là, s'ils ont un message pour eux. Pour nous, pour toi, pour voilà, tout le monde. Pour nous tous. On voudrait revenir sur un point important qui est votre calme intérieur. Les tensions extérieures, encore une fois, vont s'amplifier au fil des mois, des années. C'est assez imminent. On vous rappelle de ne pas vous fier aux apparences. On sait que c'est difficile, car quand vous êtes dans une certaine dimension, vous avez l'impression que la réalité de ce monde est la réalité de votre vécu, alors que pas du tout. Ce que vous allez expérimenter dans les années à venir est un cadeau pour vous sortir de l'illusion. L'illusion dans laquelle vous êtes, selon vos croyances, selon vos perceptions d'une réalité, selon vos perceptions d'un système, qu'il soit économique, politique, éducatif, sociétal, écologique, et nous en passons. C'est un cadeau afin que vous puissiez retrouver votre véritable pouvoir et prendre conscience que vous êtes créateur totalement de votre réalité. Vous êtes totalement capable de créer une vie sur mesure et de sortir de certains schémas limitants, qu'ils soient à l'intérieur de vous aussi bien qu'extérieur de vous. Ce travail intérieur qu'on vous invite à faire, dont nous parlons d'ailleurs dans le livre Espoir, mais il y a plein d'autres sources qui en parlent, ce travail intérieur est la seule voie possible pour que vous puissiez manifester une réalité beaucoup plus belle dans le monde que vous voulez voir. Vous pouvez imaginer un gazon, une pelouse. Vous voudriez que l'herbe soit totalement plus verte. Au lieu de vous occuper, de juger ou de regarder si l'herbe à côté est plus verte ou pas, occupez-vous de votre propre brin d'herbe que vous êtes. Si chacun d'entre vous devient plus vert, l'herbe sera plus verte. Vous avez compris les métaphores qu'il y a dans toute cette, enfin le message qu'il y a derrière toute cette métaphore. C'est votre centre, c'est votre cœur, c'est votre plexus solaire, c'est votre ancrage. Tous vos chakras sont très importants car la vibration que vous émanez impacte et influence toutes les réalités extérieures, aussi bien sur la planète que dans d'autres dimensions. Si vous vibrez haut et fort à chaque instant, vous impacterez automatiquement la vibration cosmique et complète. Et c'est ça qui permettra d'avoir une symphonie plus en harmonie dans la partition qu'est ce monde. Ce travail intérieur en vous, nous disons le mot travail, mais nous pourrions le formuler comme l'amour que vous vous donnez à chaque instant. Et nous disons bien à chaque instant,
est la clé. Prenez le temps de voir à quel point vous êtes parfois dissonant avec vous-même. Prenez le temps de voir à quel point parfois vous ne vous écoutez pas totalement, à quel point vous ne vous respectez pas et vous n'arrivez pas encore à vous aimer pleinement à chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'être forcément dans l'amour de l'autre. Si ça passe d'abord par l'amour de vous-même, l'amour ensuite suivra et tout se mettra en place de manière magistrale. Il y a de nombreuses transformations qui arrivent. Le système va s'effondrer encore davantage. Et pour que vous puissiez, vous, créer votre système d'abord intérieur. La notion de masque est très intéressante car elle est à prendre au sens métaphorique. Il est temps de faire tomber les masques intérieurs. Il est temps d'être vrai avec vous-même. Il est temps de vous montrer à vous-même le cœur profond que vous êtes afin de vous offrir la vie idéale que vous souhaitez vivre. C'est à vous de le faire. Tout ceci n'est qu'une métaphore. Si vous voyez le monde comme un miroir, vous ne verrez à l'extérieur que ce que vous ne voyez en vous. Si vous ne voyez pas des choses en dehors, c'est que vous ne les voyez pas en vous-même. Et inversement, occupez-vous de vous. Ne faites pas d'amalgame. Occupez-vous de vous ne veut pas dire être égoïste. Mais la générosité ne peut être vécue et on ne peut donner aux autres que si on est plein soi-même. Et pour être plein soi-même, il s'agit encore une fois de se donner de l'amour, sous toutes les formes que ce soit. Alors accordez-vous ce temps de pause. Il y a une nouvelle vague qui va arriver, une vague énergétique, une vague d'effondrement, une vague de divulgation. Les divulgations vont continuer encore et encore et encore dans ce monde. Et prenez ça comme une métaphore. Les divulgations extérieures sont une métaphore pour que vous puissiez vous divulguer à vous-même vos vérités. Il va y avoir un temps d'arrêt, encore une fois. Ce temps de pause que vous avez déjà vécu quelques mois précédemment va revenir afin que vous puissiez plus en profondeur prendre le temps d'arrêter vos actions, d'arrêter vos pensées, d'arrêter vos émotions, d'avoir ce temps de recul pour pouvoir repartir. C'est comme une roue qui se ralentit encore afin qu'elle puisse repartir dans un sens différent, un sens beaucoup plus juste. Vous êtes nombreux à avoir fait une évolution de conscience colossale cette année. Vous êtes nombreux à avoir pris conscience de ce qui est véritablement important pour vous, de où se trouve votre essentiel. Et vous êtes nombreux à passer à l'action et à commencer à mettre en œuvre ce qui est vraiment important pour vous. Nous vous en remercions, car cette vibration de joie et d'amour que vous vous portez nous impacte nous aussi. Et nous sommes très heureux de voir l'humanité vibrer l'amour beaucoup plus fort et de façon beaucoup plus grande qu'avant. Encore une fois, ne vous fiez pas à l'illusion apparente de ce qui vous entoure. Restez dans vos sensations et dans vos émotions, là est la vérité. Si vous écoutez votre intuition et votre âme, alors vous serez totalement guidé sur le chemin et vous saurez parfaitement ce qui doit être mis en place dans votre vie pour que vous puissiez être totalement heureux. Nous ne souhaitons que votre bonheur et nous sommes là pour vous accompagner à chaque seconde sur votre chemin. Il est certes sinueux, il demande un grand lâcher-prise. Il demande parfois d'abandonner des choses. Nous savons que l'abandon vous fait peur. Mais n'oubliez pas que la peur n'est qu'une vibration et qu'elle aussi est une illusion. Alors que l'amour est une sensation qui vient du cœur et que celle-ci est vraie puisque c'est la source de tout et que nous sommes un. Il n'est pas nécessaire de vivre toutes ces transformations planétaires avec des tensions. Point, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir cette harmonie intérieure. Et plus vous serez nombreux à être calme, plus ce calme pourra émaner ensuite à l'extérieur. C'est à vous de faire ce chemin. Il n'appartient qu'à vous et il est profondément individuel. C'est en étant individuel que le collectif se dessine. Alors laissez-vous traverser par la voie de votre âme. Elle va vous guider sur votre chemin, ce qui revient à suivre votre rythme, ce qui revient à suivre votre intuition, ce qui revient à suivre votre joie, ce qui revient à suivre votre cœur. Et donc ce qui revient à suivre votre propre façon d'être, et non pas la façon dont les autres vous voient ou la façon dont on vous a dit d'agir. Peut-être que vous avez d'autres façons de faire qui vous conviennent beaucoup mieux, et ça il n'y a que vous qui puissiez y répondre, même si nous sommes là pour vous guider et vous souffler la voix quand votre âme ne suffit pas à se faire entendre vis-à-vis de vous-même. Il y a de très grands miracles qui arrivent, des choses magnifiques, splendides, qui vont se mettre en place d'un coup, ça va être majestueux. Énormément de personnes vont vivre des choses littéralement miraculeuses, dans une énergie et une vibration très très haute. Cette vibration très très haute va compenser la vibration très basse
du système actuel qui est en train de s'effondrer et qui va ne s'effondrer que davantage au fil des années qui viennent. Plus ces vibrations hautes de couleur, j'ai une image où je vois du doré depuis tout à l'heure, plus cette vibration haute et dorée sera présente, plus le monde pourra littéralement se transformer et se pacifier et incarner un amour divin qui pourra enfin être vécu sur Terre. Mais n'oubliez pas une chose, tout le monde n'est pas là pour vivre cet amour divin sur Terre et vous ne pourrez pas être tous sur ce même chemin parce que ce n'est pas ça qui est écrit, ce n'est pas ça qui a été décidé et ce n'est pas ça que l'humanité souhaite puisqu'elle a encore besoin de grandir. Nous vous l'avons dit, vous grandissez grâce à la dualité. Cette dualité sera toujours présente mais elle va se transformer et certaines personnes arriveront à ne plus vraiment faire cette expérience de dualité car ils vibreront tellement haut, ils seront tellement dans l'amour qu'ils n'en feront plus l'expérience. Mais ça ne veut pas dire que cette dualité ne sera pas présente sur Terre. Ce sont différents champs de conscience, différents vécus, et il n'y a pas de jugement à avoir. Vous pouvez voir ça comme des vagues énergétiques. Et chacun d'entre vous est une goutte de cette vague. Et donc chacun va vivre la vague dans laquelle il est. Il n'y a pas de jugement. La mer est, et la mer est un, la mer est le grand tout. Nous souhaitons vous remercier pour cette magnifique soirée. Nous avons été très heureux d'être ici parmi vous. Nous avons été très heureux de pouvoir vous passer ces messages. Et nous savons que de nombreuses personnes ont eu des sensations et des émotions très fortes, notamment dans votre corps. C'est tout à fait normal, car il y a eu un soin qui a eu lieu aussi pour celles qui en avaient besoin. Ne soyez pas étonnés s'il y a eu des émotions, des pleurs, des soubresauts, des froids, du chaud. Toutes ces sensations physiques que vous avez reçues ont été un cadeau pour que vous puissiez vous purifier, parce que votre âme vous, nous l'a demandé et vous l'avez voulu et vous l'avez très bien reçu. Et nous vous en remercions, car de là où nous sommes, la vision est encore plus belle et majestueuse, car vous avez tous monté en vibration et vous êtes tous magnifiés ce soir de par votre intention, votre cœur et votre dévouement que vous avez vis-à-vis de la vie. Nous vous en rendons grâce. Merci. Ah, c'était beau, hein ? Ouais, merci à eux. Oui, bah, tu m'étonnes que mes petites questions de « alors, ils ont un apéro, là ?» par rapport à un message comme ça, forcément, je comprends. Mais quand même, j'aimerais bien un jour avoir une discussion un peu plus... Je les entends dire « on est là tout le temps avec toi, tu peux avoir une discussion avec eux quand tu veux, en fait. » Ça, c'est une, je te fais une réponse pour toi, mais c'est une réponse générale que les guides sont en train de dire. Vous pouvez dialoguer avec nous, encore une fois, on vous envoie des réponses tout le temps. Un titre de musique, une image, un œil qui se pose quelque part, tout ça, ce sont des signes qu'on vous envoie. C'est comme ça qu'on communique avec vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est toujours là. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci énormément à vous tous, les amis. Merci à la team des Modos. Vous avez assuré, vous êtes au top. Merci d'avoir permis de faire en sorte que le chat soit un espace de discussion où il y avait... de tout, les amis, voilà, il y en a certains d'entre vous, j'ai pu vous lire, vous n'avez pas accroché, et ben c'est très bien. D'autres pour qui ça a énormément parlé, ben c'est très bien. Certains qui ont ressenti des choses, effectivement, pendant ce long message, perso moi aussi, à un certain moment, donc c'était drôle qu'ils en parlent, donc voilà, certains, allez savoir ce que ça peut être, tout ça, mais... voilà, c'est effectivement, ça peut laisser perplexe, je vous comprends. Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais une émission de channeling, quand le live est terminé, je suis là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de ces infos? Même moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi, je ne comprends rien. Moi, je vis le truc, je me pose même plus la question, c'est bon, il s'est passé un truc. Oui, voilà, donc là, les amis, c'est à vous de voir. Ou de ne pas, voilà, comme on l'a dit, vous jugez par vous-même, suivez vraiment votre voix à vous. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, et ben tant mieux. Et si vous n'avez pas envie d'avoir d'avis, et ben c'est génial. Voilà, c'est pas d'autres informations. Comme je vous l'ai dit en introduction, le channeling, ça fait pas partie de mes expériences de cette vie-là. En tout cas, jusqu'à maintenant, que dalle. Et la médiumnité, pareil, j'ai une bonne intuition. Ça, c'est vrai, j'ai pu l'expérimenter, ça, c'est cool, c'est sympa, suivez votre intuition. J'ai l'impression que c'est plus facile d'accès comme capacité que d'autres choses, ou peut-être qu'on a peur de voir et d'entendre aussi, parce que j'ai pas forcément envie de voir et d'entendre non plus, donc forcément, libre arbitre, les amis. Vous êtes peut-être certainement comme moi là-dessus, donc voilà, laissez-vous
Voilà, si vraiment ces émissions sur le channeling ou alors dès que ça touche vraiment uniquement la tête dans les étoiles, je peux comprendre que ça peut en perturber certains. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire à part les laisser de côté. Voilà, il y a d'autres infos sur Nuria TV. Pour ceux qui sont à fond sur les extraterrestres, il y a plein d'émissions sur les extraterrestres avec pas mal de petits détails, que ce soit via des expérienceurs ou des ufologues, tout ça. Voilà, les amis. Et à nous de faire le puzzle. Jusqu'à temps qu'à un moment, il soit temps là-haut qu'ils se disent, OK, ils sont prêts, on va leur dire exactement ce qu'il en est. Ça viendra, on évolue tout doucement, les informations arrivent et voilà, il y a le temps de les encaisser. Et avant d'avancer, je peux le concevoir. En tout cas, ça a été une soirée super riche. Je vais te lire quelques petits commentaires. Sam qui nous dit, j'ai adoré, merci pour cette très belle soirée et pour ces très beaux messages. Véro qui nous dit merci Nora et Aurore, bisous. Marjorie qui nous dit merci Aurore et Nora pour cette belle soirée de channeling. Gérard Martin qui dit bonne traduction Nora, parfait, tout est parfait. Merci Aurore pour merci la critique et que votre chemin soit selon vos désirs. Top, cette partie du message aussi au top. Catherine qui dit paix, amour, joie, merci, merci, merci. Voilà, Angeline qui nous dit, les propos tenus étaient tout à fait cohérents et ont bien résonné en moi. Xav qui nous dit juste, waouh. Voilà. Sincèrement, on a vécu, je pense, chacun une émission différente qui nous a parlé à chacun. Voilà, Jean-Marie qui nous dit, merci Nora d'avoir invité Aurore, c'est une merveilleuse personne et merci les guides. Voilà, j'ai pas mal de messages écoutés avec des smileys, des cœurs et des messages super cool, mais je vous ai lu quand même ceux qui sont beaucoup plus sceptiques et juste je les ai pas sous les yeux là en fin d'émission, qui disent oui moi non j'accroche pas. Donc, ben c'est très bien. Mais oui, c'est très bien, c'est parfait. C'est cool. Donc voilà, merci énormément. Et ah ben voilà. Pyrénesta qui dit comme tu dis Nora, moi c'est pas mon trip, mais chacun prend ce qu'il veut ou pas. Voilà. Tout Bah, à fait. merci beaucoup d'avoir partagé ton commentaire, ton avis. Pyrénesta, c'est aussi très très important d'avoir ce genre d'avis-là sur Nuria TV. Et puis, les amis, franchement, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, merci pour tous les smileys et tous les cœurs et tous les trucs. Ça fait que je peux te dire que là-haut, ils ont plein de merci. Énormément. Donc voilà. Je suis un peu sur tout le texte. J'ai noté en fait, j'ai tout écrit parce que c'est la première fois que tu viens sur Nuria TV, c'est la première fois qu'on a un channeling avec toi. Et donc moi, je vais me garder cette feuille et essayer de voir si je peux faire matcher ces informations par quelqu'un d'autre, que ce soit un autre channeler ou quelqu'un qui a Ah rien à ouais, voir avec tout ça, mais c'est canon ça. qui nous parlerait de toute autre chose, mais selon son expérience de vie, bah, il en arrive aux mêmes conclusions il peut nous le décrire par une simple expérience classique. Donc ça serait génial. Donc parce qu'il y a eu énormément Carrément. d'infos, les amis, l'émission elle est en live, mais elle sera accessible en replay quelques minutes, quelques instants après la fin de l'émission. Donc vous allez pouvoir accéder à ces informations, mettre post, voilà, noter les informations qui vous parlent. Si vous avez vraiment aimé, je sais que ça va très très vite pour certains. Ça a été vraiment un long message là à la fin. Et ils ont parlé un petit peu de politique, un petit peu d'économie. Toi, tu voulais pas, hein, mais là-haut. Nous, c'est bon, nous. Ils le font quand même, on a entendu. Je pense que le message était hyper clair. J'ai été étonnée, je ne pensais pas, mais ouais. Voilà, donc, Message reçu. merci. Merci à toi, Aurore. Comment tu te Avec sens après un plaisir. channeling comme ça? Là, c'était dense. Là, je suis contente d'aller me coucher, mais en tous les cas, j'ai été honorée de recevoir un message que j'ai trouvé très doux à canaliser. Et j'ai été très surprise du contenu. Il y a certaines infos, je ne m'attendais vraiment pas à les entendre, donc j'ai appris des choses, donc c'est bien. Mais là, moi, je vais juste me délecter, là, tu vois. C'était dense, 2 heures Détends, de guidance, tranquille. c'est rien. Merci, merci énormément à toi. Tu sais, il y avait Plaisir. énormément, énormément de questions. Donc, je vais laisser mes amis Nuréens digérer cette émission-là. Et puis, on verra dans Ouais. quelques temps si on peut retourner te voir Ouais. si on pourrait On avoir les laisse réponses à d'autres faire. questions. Faut laisser passer du temps pour digérer. Je vois que ça a Tout bougé pas mal. En tout cas, merci à infiniment d'être passée via Nuria TV. Merci. Je suis très contente de t'avoir découverte. Et puis merci à Christelle Séval qui m'a parlé de ton Oui. livre, Édition Atlante, les amis. Pour ceux qui en veulent plus, qui veulent plus d'informations, eh ben, vous avez donc, ben, j'ai envie de dire, ce groupe de potes là-haut qui ont écrit un bouquin.
grâce à Aurore, qui a été leur main et qui a transféré les messages. Donc, si vous en voulez plus et pouvoir vous poser sur ce genre de message que vous avez pu entendre ce soir, si ça vous a parlé au point que vous vouliez avoir plus d'informations, vous avez ce livre. Vous allez pouvoir, justement, comme je vous ai dit, vous poser, l'ouvrir à n'importe quelle page. Il y a toujours une petite information qui est là. Donc, si ça vous parle, c'est très bien. Il y a aussi la chaîne YouTube d'Aurore avec les différentes canalisations que tu as fait durant ces 2 années, en tout cas surtout cette année-là, récemment. Surtout cette année, ouais. Ouais, et comme quoi, année importante, hein. Donc, c'est là où apparemment les messages sont diffusés de façon beaucoup plus fluide, et même pour toi. C'est cohérent, en fait, ton expérience de vie est cohérente par rapport à ce qu'ils nous disent et à cette accélération d'une évolution. Ouais. On sera tous des super-humains bientôt. Et puis, ce sera trop cool. Et on te rejoindra et on te dira « Ouais, mais Aurore et puis tous les Chandler, là... » On se marrait hein, quand vous nous racontiez ça, mais en fait, j'entends les mêmes trucs. Franchement, on verra bien, mais ça pourra justement aller dans cette partie, ce message-là d'unité, ouais. Si on pouvait effectivement un petit peu se rapprocher dans au moins certaines expériences, même si on n'est pas là, d'accord, pour expérimenter la même chose. Tout ça est tellement compliqué, et plus c'est compliqué, ouais. Plus c'est génial. Et pour quelqu'un de curieux comme moi, et comme les internautes qui nous regardent, nous, on est prêt à aborder tous les sujets, et c'est génial, c'est infini. Il y a plein de choses à découvrir, et petit à petit, le cerveau travaille, voilà, ce côté rationnel qui essaye de poser les choses et de trouver une certaine logique dans tout ça. Des fois, il se prend des petites claques, mais non, cherche pas là-dedans. Dans la logique, ça marche pas. Il y a de la logique, mais il y a des choses qui sont pas logiques telles que toi, tu peux les concevoir. Donc, j'aime bien ce genre de message-là qui te rappelle un petit peu que c'est plus compliqué que ce que tu penses, que le puzzle a beaucoup plus de pièces que ce que tu crois, et que c'est justement ça qui est beau. Donc voilà, j'ai passé un super moment en ta compagnie. Donc, vraiment, je te remercie énormément. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir partagé, vraiment. Merci. Mille merci. Au plaisir de te retrouver sur Nuria TV. Et d'ici là, les amis, j'ai juste envie de vous dire, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ça fait des belles soirées quand même. À bientôt.